Alors, bienvenue à toutes et à tous au nom de l'Université de Mons et d'UMU Mons. Content de vous retrouver pour une nouvelle conférence en ce qui me concerne le mardi soir. Alors, en fait, on est au mois de juin et au mois de juin, de là, sous nos latitudes, les nuits sont de plus en plus courtes et en fait, d'un point de vue astronomique, elles n'existent pratiquement pas. Ici, pratiquement à 11h minuit, il fait encore clair et puis à 3h du matin, c'est reparti. Et donc, l'idée, c'est qu'on va laisser en jachère en fait, des profondeurs cosmiques. Et on va discuter et jouer en fait avec la lumière proprement dit, le temps que la nuit revienne. Alors, on va parler d'un ensemble de phénomènes qu'on appelle les météores. Quand on parle de météores, habituellement, on pense à ce genre de choses, quelque chose de très spectaculaire qui tombe du ciel avec probablement un caillou au sol. En fait, ce qu'on voit ici, c'est oui, c'est un météore, c'est une super étoile filante en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle un bolide. C'est une photo qui a été prise lors de notre dernière mission dans les Alpes à Saint-Véran. C'est Michael de Ketteler qui a pris cette photo-ci. Et donc, en fait, il a pris cette photo au moment, coup de bol, où un petit caillou, probablement rentré dans l'atmosphère, s'est consumé et a donné naissance à ceci. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un météore. Donc, météore, en réalité, c'est plus large que ça. C'est tous les phénomènes lumineux qu'on peut voir dans l'atmosphère. Donc, l'étoile filante ou le bolide, comme on voit ici, c'est un météore parce que c'est lumineux et ça a lieu dans l'atmosphère. Mais en fait, il y en a bien d'autres. Alors, on va parler du plus célèbre des météores. Et le plus célèbre des météores, ce n'est pas celui que l'on pense. Hein. Ce n'est pas ce genre de bolide. Le plus célèbre des météores, le voici. Voilà, c'est l'arc-en-ciel qu'on pense tous connaître. Hein. C'est un des plus beaux phénomènes qu'on puisse voir dans le ciel. Alors, on sait tous que l'arc-en-ciel, ben, il faut du soleil, il faut de la pluie, et puis en général, ça s'arrête là. On a tous joué avec un tuyau d'arrosage pour essayer de reproduire un arc-en-ciel dans son jardin. Mais oui, comme ceci, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, et donc on a tous joué aux arc-en-ciel, et puis en général, ça s'arrête là. Mais en fait, il faut savoir que ce phénomène est un phénomène vraiment prodigieux. Et il y a au moins plus de 1000 ans qu'il est vraiment étudié de façon assidue par les scientifiques. Et donc, on va essayer de creuser un peu et d'y voir plus clair. Alors, quand on observe une photo comme celle-ci, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a deux arcs-en-ciel. On voit qu'il fait plus sombre entre les deux arcs-en-ciel ici. Voilà, il fait plus lumineux dans la partie à l'intérieur du premier arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, le premier qui est plus brillant, on l'appelle l'arc-en-ciel primaire. Et le deuxième, on l'appelle le secondaire. Alors, on va changer de photo ici. Alors là, c'est une photo qui a été prise par notre ami Simon Leric. Alors, je tiens déjà à le remercier parce qu'il m'a prêté pas mal de photos de météores. Simon est vraiment un expert dans la chasse aux météores. Alors, on voit vraiment cet arc-en-ciel primaire qui est très très lumineux ici, le secondaire et cette bande sombre entre les deux qu'on appelle la bande sombre d'Alexandre. Vous voyez, si on compare cette zone-ci avec celle-là, on voit que là, il fait beaucoup plus sombre qu'ici. Alors, j'aime bien aussi cette photo. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous montre pas le phénomène dans son ensemble. En fait, l'arc-en-ciel, c'est immense dans un vrai ciel. Et essayer de le photographier avec votre smartphone, vous n'y arriverez pas à la voir dans sa globalité parce qu'il occupe un champ de vision qui est absolument énorme. Et en général, si vous voulez avoir un arc-en-ciel dans sa globalité, vous avez besoin de lentilles très particulières, type fisheye, qui vous donnent, oui, une vue d'ensemble, mais qui vous feront perdre un peu le côté spectaculaire. Si ce qui est sympa dans la photo de Simon, c'est qu'on ne voit qu'un morceau, mais ça vous donne un peu une idée de la grandeur de la photo. Alors, on peut aussi s'amuser hein, à comparer les deux arcs et à comparer l'ordre des couleurs. Donc, on voit ici. On voit du rouge au violet, et puis curieusement, l'arc-en-ciel secondaire, bah, c'est l'inverse. On va du violet vers le rouge. Donc, vous voyez, les couleurs sont inversées entre les deux arcs. On va continuer ceci. Et on peut aussi se poser une question sur cet adage où on raconte toujours que l'arc-en-ciel possède sept couleurs. Alors, on est tous convaincus de ça. On va essayer de les compter. Je vous invite à compter. Attention, c'est parti. C'est aussi une photo qui a été prise par Simon. Donc, c'est vraiment un zoom sur. Un arc-en-ciel primaire. Voilà, je vous invite à compter les couleurs. Alors, bon, je vois ici quelque chose qui ressemble à du rouge foncé, du rouge un peu plus clair, l'orange, un peu de jaune, un peu de vert, un peu de bleu, du mauve. Mais en réalité, quand on dit qu'il y a sept couleurs, c'est un abus de langage parce que, en
En fait, il y a une infinité de couleurs. Vous passez continuellement d'une couleur à une autre. Alors, on est tous convaincus qu'il y a cette couleur. En fait, c'est la faute à Newton. Newton a pas mal étudié le phénomène. Il se fait qu'après ses heures, quand il déposait sa casquette de physicien et de mathématicien, Newton, il avait des passe-temps liés à l'alchimie, la numérologie. Et donc, il aimait bien tous les chiffres un peu symboliques. Quand il s'est dit, tiens, combien de couleurs je vois l'arc-en-ciel? C'est vrai qu'à l'œil nu, on peut dire du bleu, du mauve, du rouge. On voit en gros qu'il y a 5, 6 familles de couleurs. Et il s'est dit, voilà, 7, ça sonne bien, c'est un chiffre un peu mythique. Et du coup, il a dit qu'il y avait 7 couleurs à l'arc-en-ciel. Et on a tous retenu ça, mais en fait, c'est complètement faux. Il y a une infinité de couleurs au niveau de l'arc-en-ciel. Alors maintenant, on peut essayer de se poser la question, mais bon sang, ces couleurs, d'où elles viennent en fait? Alors, je vous ai mis cette photo de ce beau perroquet aux plumes chatoyantes. Pourquoi? Pour essayer de se poser une question de finalement comment ça marche les couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire voir quelque chose? Alors, si on observe cette photo-ci, on voit un arrière-plan, manifestement, une espèce de forêt ici qui est un peu en flou. Et puis on voit ses plumes sur le perroquet, on voit qu'il y a une zone rouge ici, sa tête est rouge, il y a un peu de blanc qui est là, on voit les zones bleues, à nouveau des plumes rouges. Mais on peut se poser la question de se dire pourquoi on voit ce perroquet? Pourquoi je vois du rouge ici? Et bien simplement, le rouge que je vois là, il est lié au fait que sur les plumes, manifestement, sont présents des pigments ou une géométrie particulière, qui fait que quand ce perroquet est éclairé par le soleil, eh bien, cette partie-ci du plumage renvoie la couleur rouge. Et donc, si je vois du rouge ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me renvoie du rouge. Là, il y a quelque chose qui me renvoie du bleu. Donc, si je vois les différentes parties du perroquet, ce que je dis paraît simpliste, ça paraît débile, mais c'est la base de l'optique. Si je vois une couleur à un endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit me renvoyer cette couleur. Donc, dans le cas du perroquet, ben clairement, c'est les plumes, ce sont ses pigments, sa structure de géométrique au niveau de la nature microscopique de la plume qui fait qu'on a une couleur plutôt qu'une autre qui est réémise. Alors, une fois qu'on a retenu ça, on peut se dire, mais pourquoi je vois un arc-en-ciel en fait? Qu'est-ce qui est à l'origine des couleurs? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, je vous soumets cette photo-ci. C'est une photo assez particulière. Bon, on voit un arc-en-ciel, on voit une cascade ici, on voit des étoiles. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit un arc sur la partie gauche de la photo et on voit rien sur la partie droite. Alors, si on compare en fait les deux parties de l'image, ben, on se rend compte que dans la partie gauche, on a tout un nuage de gouttelettes d'eau qui sont liées à la présence de la cascade et on voit que l'arc-en-ciel apparaît au niveau de ce nuage de gouttelettes d'eau. Par contre, dans la partie droite, il n'y a pas de gouttelettes d'eau et là, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc, on voit clairement que, manifestement, l'arc-en-ciel, il apparaît suite à la présence d'un support. En fait, il faut des gouttelettes d'eau pour que cet arc-en-ciel apparaisse. Là, il n'y a pas le support, il n'y a pas d'arc-en-ciel. On peut même aller plus loin. On se dit, bah oui, tout le monde sait qu'un arc-en-ciel a besoin d'eau et de soleil. Oui, c'est vrai. Mais si on regarde la partie gauche de la photo, on voit que l'arc se trouve ici et l'arc, il n'est pas plus haut. Il n'est pas plus bas. Alors que là aussi, on a de l'eau, on a de la lumière. Pourquoi il n'y a pas d'arc dans la partie inférieure, par exemple? Donc, on voit que oui, il faut un support, il faut de l'eau pour envoyer de la lumière, mais l'arc-en-ciel n'apparaît pas n'importe où. Donc, vous voyez, il y a déjà des indices qui montrent qu'il y a des petites subtilités qu'il faudrait essayer de comprendre. Alors, pour ceux qui sont branchés astro, regardez, on voit même la constellation d'Orion sur cette photo-ci. On voit la ceinture d'Orion, etc. Alors, on continue. Évidemment, le coupable au niveau de l'arc-en-ciel, ben, c'est l'eau. Et là, vous vous retrouvez avec un paradoxe assez extraordinaire, c'est que finalement, c'est l'eau qui est complètement incolore qui va révéler les couleurs qui vont donner naissance à l'arc-en-ciel. Donc, ce milieu qui est complètement transparent, en fait, va jouer un rôle extrêmement important dans la genèse de l'arc-en-ciel. Alors, on va essayer de percer le secret de cet arc-en-ciel-là. On va essayer de le faire avec des petits schémas assez sympas. C'est la partie, je dirais, la seule partie un peu technique de la conférence. Vous allez voir, on va vite se prendre au jeu et ça va même être amusant. Ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment des choses qui ont été comprises déjà à l'époque de l'Empire arabe par les savants opticiens de l'époque. Donc, c'est des connaissances assez anciennes qui ont été redécouvertes à différents moments, aux différents endroits du monde.
Et puis tout ce puzzle de l'étude arc-en-ciel s'est plus progressivement reconstitué et aujourd'hui on a une vision assez sympa et assez complète de la chose, même si tout n'est pas encore parfaitement. On ne peut pas tout résumer en quelques phrases. Alors, pour comprendre l'arc-en-ciel, il faut partir d'un vieux constat. Ce vieux constat, c'est que la lumière, en fait, elle se propage en ligne droite. Vous voyez, c'est la petite flèche que j'ai mise en mouvement. Voilà. On voit très bien ça hein, quand vous voyez des fois un rayon de soleil qui traverse les nuages. On voit vraiment que la lumière va en ligne droite. Et cette lumière, en fait, elle peut changer de direction dans quelques conditions particulières. Si par exemple vous avez une surface réfléchissante, ça peut être un miroir, ça peut être, je sais pas moi, une surface bien polie, un plan d'eau. Dans ce cas-là, la lumière va évidemment en ligne droite, mais quand elle percute la surface réfléchissante, ben, par défaut, par essence même, elle se réfléchit. Je vous montre le phénomène, voilà, hop, réflexion. Hein, c'est un peu comme une bille qui rebondit sur un mur. Voilà, ça c'est le phénomène de réflexion qu'on connaît tous. C'est grâce à lui qu'on peut se recoiffer le matin devant son miroir. L'autre phénomène dont on va beaucoup parler aujourd'hui, il est un peu différent, il est tout aussi important. Là, il apparaît quand vous avez la lumière qui se promène et qui subitement arrive devant quelque chose de différent. Donc là, vous avez une zone avec de l'air, et puis l'eau va arriver au niveau de la séparation entre de l'air et de l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la lumière va en ligne droite. Quand elle atteint la séparation entre l'air et l'eau, eh bien, elle change de direction, elle rentre dans l'eau, mais en changeant de direction, donc il y a une déviation qui apparaît. Ça, c'est la vision simpliste qu'on a des choses. En réalité, les deux se produisent en même temps. Donc, en fait, quand vous avez par exemple de la lumière qui arrive au niveau d'un plan d'eau, il y a une partie de la lumière qui se réfléchit, pouf, et une partie qui se réfracte et qui rentre dedans. Voilà. Avec ça, on a la base pour comprendre l'essentiel du phénomène. Donc, réflexion, la lumière rebondit et repart. Hein, ça, c'est le phénomène qu'on a avec le miroir. Réfraction, c'est le fait que la lumière, bah, elle peut rentrer à l'intérieur de l'eau ou du verre, juste que ça va changer de direction quand elle change de milieu. Alors c'est parti, maintenant on va essayer de suivre la lumière et surtout de la suivre quand elle va pénétrer à l'intérieur d'une goutte d'eau. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors on y va. Donc là vous avez la goutte d'eau qui est ici. Voilà. L'air est tout autour. J'ai un rayon lumineux qui vient taper sur la goutte exactement au milieu. Voilà. Alors la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la goutte. Elle rebondit à l'intérieur de la goutte et elle ressort. Okay, ça, c'est le cas gentil. Donc, je recommence. Hop, elle rentre dans la goutte. Elle se réfléchit sur la paroi intérieure de la goutte ici. Il y a une petite partie qui sort aussi. Peu importe. Maintenant, je continue l'opération en envoyant un rayon lumineux, mais qui, lui, vient d'un peu plus haut. Donc, il est un peu décalé. Il n'est plus exactement au centre. Donc, ce rayon lumineux, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il atteint la surface de l'eau. Il change un peu de direction. Il va au bout de la goutte, il se réfléchit, il revient, comme il ressort, il change un peu de direction, et voilà. Donc vous voyez, suivant l'endroit où vous allez taper sur la goutte, eh bien, la lumière va suivre un chemin différent. Donc maintenant, on va attaquer la goutte avec un rayon lumineux qui est un peu plus haut. On est parti. Petite déviation, une réflexion comme sur un miroir, encore une déviation parce qu'on change de milieu. Voilà, je prends un quatrième rayon, vous connaissez le système, une réfraction, une réflexion. Une réfraction encore, et on voit tous ces rayons lumineux en fait qui sortent à des endroits différents. Et donc, vous voyez que suivant l'endroit où on attaque la goutte, eh bien, les rayons lumineux sortent à des endroits différents. Alors, le schéma qui est en train de se dessiner ici, il a vraiment étudié, comme je vous le disais, il a été étudié en long et en large à l'époque arabe, il a été étudié par Descartes. Et dans quelques instants, vous allez voir se dessiner le secret en fait qui permet de comprendre l'arc-en-ciel. On va laisser aller tout ce petit mécanisme, voilà, tous ces rayons qui se suivent les uns après les autres. Et on voit apparaître quelque chose d'intéressant, c'est que, vous voyez, on commence à voir apparaître une accumulation de rayons dans une direction bien précise. On va continuer à laisser aller le système, voilà. Donc les rayons attaquent la goutte de plus en plus loin du centre, et puis on a une espèce de barrière qui apparaît ici. Et ça, c'est très intéressant, regardez, on va faire une petite synthèse. Voilà, quand vous avez tous les rayons lumineux rouges qui arrivent sur la goutte, chaque rayon suit son propre chemin à l'intérieur de la goutte, en ressort à des endroits différents, mais on a une espèce de mur qui apparaît ici, et on a une accumulation de rayons vraiment à cet angle très particulier, qui est un angle de 42 degrés, et au-delà de cet angle magique, c'est comme ça qu'on va dire, il n'y a aucun rayon lumineux qui sort ici, il y en a beaucoup qui sort là,
un tout petit peu qui sera ici. Donc, je vais synthétiser ça. Donc, de là à là, il y a un peu de lumière. Dans cette direction-ci, autour du 42 degrés, il y a beaucoup de lumière. Et au-delà, il n'y a rien. Et ça, c'est avec ça, vous avez la clé en fait qui va permettre de comprendre l'arc-en-ciel. Donc là, on a ce qui se passe quand de la lumière rouge vient taper sur une goutte d'eau. Donc là, on est sur une goutte avec une couleur. Et vous voyez, il y a une zone comme ça, il n'y a aucune lumière qui peut sortir. Et ça, vous allez voir que ça va nous permettre de comprendre pourquoi il fait très sombre entre les deux arcs-en-ciel. Vous allez me dire, OK, mais un arc-en-ciel, il n'y a pas que du rouge, il y a aussi d'autres couleurs. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, on avance un peu dans cette partie un peu technique. Vous allez voir, tout ça va simplifier. On va essayer de comparer maintenant comment le bleu se propage dans la goutte en comparant avec le rouge. Petite synthèse, vous avez ici votre goutte. Ça, c'est le dessin qui a réalisé Descartes. Hein. Vous avez tous les faisceaux d'arrivée, tous les faisceaux de sortie. Donc, on a vu que le rouge vient éclairer la goutte et il y a un maximum à 42 degrés. C'est l'angle magique pour le rouge. Donc, il y a un peu de rouge ici. Beaucoup à 42 degrés et pas du tout au-delà de 42. Maintenant, si vous éclairez la goutte avec de la lumière bleue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un phénomène très semblable, juste que l'angle magique pour le bleu, il est un peu plus petit, il est un peu différent. Et en fait, vous avez une accumulation de lumière bleue au niveau de 40 degrés. Donc, en gros, la lumière qui vient du soleil, c'est ça la partie importante qu'il faut comprendre. La lumière qui vient du soleil, elle comporte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le cas de le dire. Qui vont du violet au bleu. Donc tout ça arrive mélangé, notre œil n'arrive pas à les distinguer. Et la goutte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va trier en fait. Donc elle va envoyer beaucoup de rouge dans la direction de 42 degrés, beaucoup de bleu à 40 degrés. Et donc finalement, la goutte, elle a permis de séparer toutes ces couleurs-là. Ça c'est génial. Donc en gros, la goutte, elle joue le rôle d'un du tripostal, le bleu par là, le rouge de l'autre côté, et entre les deux, on a toute la gamme de couleurs possibles et imaginables. Donc la goutte va permettre de séparer les couleurs. Et donc ce que Newton va comprendre, c'est que toutes les couleurs étaient présentes dans la lumière d'arrivée du soleil. Et simplement, la goutte joue le rôle de tripostal. Alors maintenant, on va essayer de comprendre finalement ce qui se passe quand on a beaucoup de gouttes. Alors regardez ce qui se passe. On a un nuage qui est ici. Le soleil est quelque part par là derrière. Il pleut. Et la lumière tape sur une goutte. Alors, on va regarder comment le rouge se propage. Alors, le rouge, il sort à 42 degrés. Vous voyez, le rouge est passé au-dessus de la tête de notre petit bonhomme. Le bleu, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sort avec un angle un peu plus petit, avec 40 degrés. Et dans ce cas-là, ben, si vous avez une goutte qui est ici, il n'y a aucun des faisceaux lumineux qui sort de la goutte qui vient taper sur l'œil du petit bonhomme. Donc, le bonhomme, il ne voit rien. Donc, la goutte qui arrive ici, pour lui, elle ne joue aucun rôle. Ce qui est intéressant, c'est. Que va-t-il se passer si maintenant je prends une goutte qui est un peu plus basse dans le rideau de pluie? Alors je prends une goutte qui est plus basse, voilà. Le soleil éclaire la goutte. Vous avez toute la lumière du soleil qui tombe dessus. On va regarder ce qui se passe pour le rouge. Donc ben, le rouge, on a vu qu'il sort ici avec l'angle magique de 42. Et dans ce cas-là, bingo, le rayon rouge va taper dans l'œil du petit personnage. Donc lui, il dit, ben, pour moi, je vois du rouge dans cette zone-ci du ciel, parce qu'il voit de la lumière rouge qui vient de par là. Par contre, cette goutte, elle envoie aussi le bleu, et le bleu passe au-dessus du bonhomme. Et donc le bonhomme, il dit, bah oui, je vois du rouge, mais je ne vois pas de bleu, je vois que du rouge. Et puis évidemment, il n'y a pas que ces gouttes-là, il y a encore d'autres. Donc si maintenant je considère une goutte qui est juste en dessous, cette goutte, elle est éclairée par le soleil. Alors vous commencez à comprendre le système. Toute la lumière du soleil tape dessus, la goutte fait le tri, le rouge, il sort avec l'angle magique de 42. Cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Ben, le rouge tape en dessous de l'œil du personnage, donc le poisson, il ne voit pas de rouge. Par contre, le bleu, qui a un angle plus petit de sortie, hein, il tape pile poil dans l'œil du bonhomme. Donc le bonhomme, il dit, ah, cette fois-ci, je vois la lumière bleue qui vient d'ici. Donc pour lui, le ciel se colore en bleu. Alors maintenant, on continue. Je prends une goutte qui est encore en dessous. Voilà, on l'éclaire avec de la lumière mélangée, qu'on appelle de la lumière blanche. Le rouge, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort à 42 degrés, il peut faire que ça, ou pratiquement. Donc, cette lumière-là n'atteint pas l'œil de l'observateur. Donc, le petit bonhomme, il voit rien. Qu'est-ce qui se passe pour le bleu? Ben, le bleu sort aussi trop bas. Et donc, in fine, ben, le bonhomme, il se dit, ben, moi, je vois rien là, dans cet endroit du ciel. Donc, le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Ben, moi, je ne vois des couleurs dans le ciel qu'à dans cette hauteur-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pris les couleurs extrêmes, hein, le rouge et le bleu. Entre les deux, vous avez tout le dégradé.
Donc voilà pourquoi dans l'arc-en-ciel primaire, en tout cas, vous avez le rouge qui est au-delà du bleu. Donc c'est vraiment ce phénomène-là. Les gouttes d'eau arrivent à séparer les couleurs qui viennent du soleil. Comme il y a des angles magiques qui correspondent à chaque couleur, eh bien, tout ça permet de comprendre pourquoi on voit le rouge qui est au-dessus du bleu. Maintenant, rajoutons un petit personnage dans notre histoire. On va prendre une girafe. On peut se poser la question, mais que voit la girafe en fait? Ben, la girafe, ses yeux sont plus hauts que le bonhomme. Donc la girafe, elle verra des couleurs un peu plus hautes. Ce sont d'autres gouttes qui vont lui envoyer de la lumière dans ses yeux. Et donc en réalité, chaque personnage voit des gouttes différentes lui envoyer des couleurs suivant la taille. Donc voilà, là on voit finalement ce qui se passe avec des gouttes comme ça qui sont les unes au-dessus des autres. Donc on commence à voir la base de l'arc-en-ciel qui se dessine. On voit l'origine des couleurs et l'ordre des couleurs. Mais on n'a pas répondu à toutes les questions, évidemment. Parce qu'ici, ben, on voit juste la succession, mais on ne sait pas pourquoi l'arc-en-ciel, ben, on ne sait pas l'arc-en-ciel, pourquoi on l'appelle un arc-en-ciel, en fait. On ne sait pas pourquoi il est rond et pas carré. Et ça, c'est la vraie question. Donc pourquoi il s'appelle arc-en-ciel? Alors, je vais résumer ce que j'ai dit, et on va utiliser une petite maquette qui va nous permettre de répondre à cette question assez étonnante. Alors, petite synthèse, voilà, souvenez-vous, pour voir un arc-en-ciel, de quoi on a besoin? On a besoin du soleil, le voici. On a besoin d'un nuage qui laisse tomber de la pluie. Et un petit bonhomme qui est entre les deux. Donc, ça, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous balancez de la lumière sur la goutte. Alors, si je prends le cas du rouge, bah, la lumière rouge sort avec cet angle magique et vient illuminer l'œil de l'observateur. Donc, le bonhomme, il dit, moi, là-bas, je vois du rouge. Voilà. Ça, c'est la configuration qu'on a étudiée en long et en large. Et en fait, il y a quelques années, on avait préparé une séquence arc-en-ciel pour l'émission Matière grise. Et j'avais envie d'expliquer à l'époque, mais pourquoi l'arc-en-ciel est rond? Et donc, on avait un tas de schémas classiques qui permettent de comprendre pourquoi il est rond, mais c'était fort bidimensionnel. Et je me suis dit d'avoir un moyen de montrer ça en trois dimensions. Et donc, à l'époque, on a eu l'idée de construire une maquette. Et je vais vous montrer la genèse de la maquette. Voilà ce qu'on va faire. Donc souvenez-vous, la goutte, elle est ici, ça c'est la lumière qui vient du soleil, et là c'est l'angle magique, donc les 42 degrés, avec lequel sort le rouge. Alors on s'est dit, on va construire une maquette qui reprend exactement ce schéma-là, et je vous montre la photo de la vraie maquette qu'on a construite. Voilà. Alors quand on propose l'atelier arc-en-ciel à nos visiteurs en présentiel, on a la maquette devant nous, et on l'utilise vraiment, et les gens peuvent l'utiliser, tourner autour, et faire avec, mais voilà, il se fait qu'on n'est pas en présentiel, on est encore en confinement. Là, je suis dans ma chambre devant mon PC, et donc utiliser la maquette en vrai, c'est pas évident. Et cette maquette va me permettre de comprendre en fait pourquoi l'arc-en-ciel est rond. Et donc, on a essayé de. J'ai tourné avec l'aide de ma fille une petite vidéo, on a fait ça avec des moyens du bord hier. Alors, je vous montre un peu ce qu'on a fait pour essayer de vous montrer ce qui se passe. Alors, l'idée, c'est de se dire. L'arc-en-ciel, il n'est pas généré par une goutte, ni par deux gouttes, il est généré par des millions de gouttes. Quand vous êtes dans les conditions pour avoir un arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le soleil derrière vous, et puis en face de vous, vous avez la pluie. Vous avez un immense rideau d'eau avec des millions et des millions de gouttes de pluie. Donc là, jusqu'à présent, on a étudié l'effet d'une goutte ou de quelques gouttes sur la lumière, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un mur d'eau, en fait, si vous avez un mur de millions de gouttes? Alors, ce qu'on a fait, alors je vais arrêter la vidéo quand même pour vous montrer un peu la base. Vous avez ici une petite feuille qu'on a placée au mur. Ça représente le rideau de pluie. Donc, imaginez que cette feuille blanche, elle est composée de millions et de millions de gouttes d'eau. Alors, là, vous avez notre petite maquette. Hein, je vais relancer la vidéo ici. Voilà, vous avez une goutte d'eau qui envoie sa lumière rouge sur l'œil d'un observateur ici. Voilà. Alors, vous avez donc la lumière du soleil éclaire la goutte. Et la question qu'on se pose, c'est quelles sont dans ce rideau d'eau les gouttes qui envoient la lumière en fait avec le bon angle pour arriver dans l'œil de l'observateur. Donc, je vais recommencer la petite vidéo ici. Donc, vous avez la lumière du soleil qui tape sur la goutte renvoie la lumière rouge dans cette direction-ci, elle arrive dans l'œil du petit personnage. Mais il y a plein d'autres gouttes qui peuvent faire ça. Une goutte peut être ici, elle peut être là, elle peut être là. Toutes les gouttes qui se trouvent en fait avec cet angle particulier envoient la lumière rouge dans l'œil de l'observateur. Et quand
Je cherche toutes ces gouttes qui envoient la lumière rouge dans l'œil de l'observateur. On se rend compte qu'en fait, ça dessine un arc. Donc, si maintenant on se place derrière l'observateur, on voit l'observateur qui a devant lui un arc. Ça a été fait avec les moyens du bord. On n'avait pas de quoi effacer la petite feuille, donc on avait juste un one shot. Donc, on s'en est pas trop mal sorti, je trouve. Et donc, on voit qu'en fait, c'est vraiment cet angle magique qui donne naissance à cet arc-là. Voilà. Et donc, on voit que l'arc, il est centré en fait sur le petit personnage. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Alors, on peut dire, mais ok, on voit un arc, ok, c'est lié à cette géométrie particulière. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir quelque chose de plus grand? Ben oui, effectivement, si vous êtes dans un avion, si vous avez le soleil derrière vous et la pluie devant vous, ben, il n'y a pas de raison que l'arc ne soit pas plus grand. Donc, si vous prenez votre maquette et que vous la faites tourner, eh bien là, on verra des gouttes même plus basses qui vont vous donner ces magnifiques ronds en ciel. C'est comme ça qu'on dit. Alors, on va aller plus loin. Et maintenant, on peut se dire, tiens, mais pourquoi il y a un arc-en-ciel secondaire, en fait? D'où ça peut venir? Alors là, on va reprendre la géométrie avec une goutte. Voilà. Alors, je vais la faire bien grande pour qu'on voit ce qui se passe. Voici, le soleil, la lumière du soleil vient de cette direction-là. C'est parti. J'envoie la lumière du soleil sur la goutte. On y va, comme ceci. Cette fois-ci, vous voyez, la lumière, elle va attaquer la goutte par le bas. Donc, il y aura une première réflexion ici. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'une. Ici, maintenant, il y en aura deux. Donc, la lumière rebondit. Elle reste à l'intérieur de la goutte, une deuxième réflexion, elle ressort, voilà, elle va à nouveau être déviée. Donc vous voyez, en gros, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre configuration possible avec deux réflexions à l'intérieur. Et quand je regarde les angles, l'angle de sortie du faisceau par rapport à la lumière qui arrive, voilà, on se rend compte que, en fait, il y a une autre possibilité d'avoir un faisceau qui rentre dans une goutte et qui en ressort. Et cette deuxième possibilité, c'est un chemin un peu plus compliqué. Comme il est plus compliqué, y a plus de pertes de lumière. Et donc, en fait, il y a un autre angle magique pour le rouge qui est à 51 degrés. Et donc, vous avez toute la même mécanique qui se met en place avec un arc qui n'est pas ouvert à 42, mais qui est ouvert à 51. Donc, c'est un arc qui est plus grand. Et comme vous avez une réflexion en plus, ben, vous savez qu'à chaque fois que vous regardez dans un miroir, ben, vous inversez l'image. Comme il y a une réflexion supplémentaire, ben, l'arc-en-ciel secondaire, il est inversé. Il a ces couleurs qui sont inversées. Voilà. Donc voilà l'origine de l'arc-en-ciel secondaire. Alors, mais c'est pas tout. Alors, je vais vous montrer un phénomène supplémentaire qui est très peu connu. Quand vous connaissez son existence, ben vous allez vous rendre compte qu'on le voit de temps en temps et c'est absolument prodigieux. On raconte tous que l'arc-en-ciel a sept couleurs qui vont en gros du rouge au violet. Ben on a vu que c'est faux. Il y a une infinité de couleurs. Qui vont durer ou du rouge et violet. Et de temps en temps, on voit des arcs-en-ciel supplémentaires apparaître. Alors, on les voit bien sur cette photo-ci qui a été prise par Simon. Donc, on voit ici le rouge, on voit ici le vert qui est au milieu de l'arc-en-ciel, le mauve. Et si vous regardez bien à l'intérieur de l'arc-en-ciel, une alternance d'arcs brillants et sombres qui correspondent pas à la progression classique du dégradé habituel, en fait. Je vais vous montrer une autre photo ici. Voilà, là c'est l'arc-en-ciel classique. Et puis on a à nouveau cette succession avec des arcs plutôt, je dirais, verdâtres et mauves hein, qui se succèdent. C'est ce qu'on appelle des arcs en surnombre, des arcs surnuméraires. Et ça vous montre vraiment la richesse de l'arc-en-ciel parce que pour expliquer ça, eh bien, tout ce que je vous ai raconté avant n'est pas suffisant. Il faut faire appel à d'autres propriétés de la lumière. Je ne veux pas rentrer là-dedans. La lumière, en fait, elle a un comportement très curieux. Hein. Elle peut se comporter aussi comme une onde. Là, c'est lié à des phénomènes d'interférence. Ça ne se produit que quand elle écoute une certaine taille. Donc, sur l'année, je dirais que des arcs en surnombre, on peut en voir, enfin, moi, en général, je dirais qu'on en voit deux ou trois fois par an. Et c'est très, très joli à voir, ces arcs supplémentaires. Ça peut crever vraiment les yeux à la vue, mais il faut juste savoir que ça existe. Donc, maintenant, je suis sûr et certain que lors des prochains arcs, il y a une grande probabilité que vous les observiez vous aussi. Et puis on arrive à cette fameuse légende. Est-ce qu'il y a un trésor au pays de l'arc-en-ciel? Alors je vais aussi vous montrer, je reprends la photo de Simon ici. Donc la question c'est est-ce qu'au pays de l'arc-en-ciel il y a un arc? Alors d'où vient en fait cette légende? Alors pour que vous compreniez le sens profond de cette légende, j'ai réalisé un petit dessin hier, un petit schéma, genre de dessin quand vous commencez à les réaliser, vous dites ça a une super idée et puis vous maudissez le moment où vous avez cette idée parce que ça vous prend un temps fou à faire. Alors, je vais vous montrer un peu ceci, voilà. Là, vous avez, ça c'est vous, votre petit personnage est ici.
Devant vous, il pleut. Et chaque petit rond qui est représenté ici, en fait, c'est une goutte d'eau. Donc, il y en a des millions devant vous. Alors, on a vu que vous avez le soleil derrière vous. Et donc, le petit personnage qui est là, lui, il voit qu'en fait, certaines gouttes seulement, lui apparaissent rouges, d'autres lui apparaissent bleues, parce qu'il y a tous ces problèmes d'angle magique, etc. Mais évidemment, quand ce bonhomme change de place, ben, pour lui, l'arc, il change aussi de place, en fait. Ce sont d'autres gouttes qui s'allument dans son ciel, en quelque sorte. Et si j'avais ajouté un deuxième personnage qui se déplace dans l'autre sens, et chaque personnage voit son propre arc, et cet arc le suit, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que quand vous allez vous déplacer pour aller voir ce qui se passe au pied de l'arc-en-ciel, ben, l'arc-en-ciel, il bouge avec vous. Et donc, vous ne pourrez jamais rejoindre le pied de l'arc-en-ciel. Et en fait, le vrai trésor de l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel lui-même, parce que c'est une merveille optique absolument prodigieuse. Alors, juste une petite réflexion aussi, c'est de se dire, mais l'arc-en-ciel, finalement, quand on le voit, est-ce qu'on peut savoir s'il est proche ou s'il est loin? Eh bien, figurez-vous que non, c'est absolument impossible. Et je vous donnerai un petit exemple dans la suite. Alors, on y revient dans un instant. Alors, en préparant cette conférence, je suis tombé sur une photo fabuleuse que je ne connaissais pas. J'ai écrit à l'auteur qui m'autorisait à l'utiliser. Regardez, cette photo, elle est absolument incroyable. 3, 2, 1, je vous la montre. Voilà. Comptez combien d'arc-en-ciel vous avez ici. Regardez, il y en a un ici. 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 arcs sur la même photo. Alors ça, c'est très rare, évidemment. Alors, est-ce que les lois de la physique subitement auraient changé? Mais en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que la photo a été prise au bord d'un lac. Et donc, en gros, vous avez l'arc-en-ciel qui est généré par de la pluie et par le soleil. Et puis, vous avez le reflet du soleil dans le lac. Et ce deuxième soleil, en quelque sorte, le reflet lui-même crée un deuxième arc, un deuxième primaire, un deuxième secondaire, en quelque sorte. Et donc, vous avez les arcs classiques, qui est le primaire ici et le secondaire qui est là. Et puis, vous avez les reflets. Et puis, celui-ci qui vient, en fait, du soleil qui se reflète dans le lac. Donc c'est une image, une géométrie un peu compliquée. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc c'est vraiment le genre de photo où il fallait être au bon endroit au bon moment. Donc je remercie Nathan Nitsky de m'avoir autorisé à vous montrer cette photo-ci. Et maintenant, roulement de tambour, je vais vous montrer peut-être la photo la plus spectaculaire de la conférence. En fait, c'est de l'humour, hein, parce que la photo, je vous la montre ici. Bon, le petit guignol qui est là, en fait, c'est moi qu'on voit de dos. Alors, dans quoi on s'est encore embarqué? C'est un vieux projet que Sosie et moi avions depuis 10 à 15 ans. Et avec l'aide de toute la bande du Mumons, on a pu, et du Club d'Astro, on a pu le concrétiser il y a 2 ans. Donc, on était à Spienne, hein, au mois de mai. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on est au Silex, devant le fameux musée. On a construit un grand portique ici. Et ce portique, en fait, il crache des petites gouttelettes d'eau. Donc, on est allé chercher un système qui permet d'asperger les champs, en général, avec des produits divers et variés, pesticides, etc. Donc, on a acheté ces tuyaux, donc utilisés par les fermiers. On l'a mis tout en haut, on l'a connecté à une pompe à eau. Et donc, on a réussi à créer une pluie artificielle. Et on a vu placer un spot de théâtre une quinzaine de mètres derrière. Et donc, on est dans la configuration où vous avez le soleil derrière vous, c'est le spot de théâtre, et de la pluie devant vous. Donc, on a reconstitué les conditions de l'arc-en-ciel. Alors, il a fallu pas mal chipoter pour y arriver. Et quand on a testé l'expérience, on a vu notre rideau d'eau, on était là en pleine nuit, et en fait, on ne voyait rien, il ne se passait rien. Alors là, on voit l'ami Pierre qui s'amuse à photographier. Alors, on ne voyait rien à distance, et en fait, il a vraiment fallu pratiquement rentrer dans le rideau d'eau pour voir quelque chose. À un tel point que ce qu'on a vu a dépassé l'entendement. On a vraiment été surpris par ce qu'on a vu. On savait que ça devait marcher, mais tant que vous ne l'avez pas vu, vous n'y croyez pas. Et évidemment, on a été complètement aspergé. J'ai voulu photographier ce qu'on a vu, je vous montre dans un instant. Il y a quelques gouttelettes d'eau qui sont entrées dans mon téléphone et qui ont fait rendre son dernier souffle. Et voilà ce qu'on a vu. Alors, en fait, on a réussi à reproduire un arc-en-ciel en pleine nuit. Alors cette photo-ci, elle est géniale, mais en réalité, elle n'est pas très spectaculaire parce que ça ne remontre en rien la grandeur de l'arc-en-ciel qu'on a produit. Si vous regardez la photo, on voit que les parois du musée sont complètement déformées. On voit que notre portique est complètement déformé. Pourquoi? Parce que cette photo-ci a été prise, je ne me trompe pas, par le copain Christophe.
C'est le seul en fait à avoir été équipé d'un objectif avec une focale suffisamment petite pour voir l'ensemble. Comme je vous le disais, photographier un arc-en-ciel avec un smartphone, c'est impossible. Même si votre champ de vision est très grand, l'arc-en-ciel est tellement immense. L'arc-en-ciel, il fait 2 fois 42 degrés, hein, et donc ça veut dire que il a un angle de pratiquement 90 degrés, donc 90 degrés pour le copain français. Et donc un angle de vue de 40, de 90 degrés, ça dépasse de votre appareil photo. Et donc, on ne pouvait photographier qu'un petit morceau à la fois. Christophe, lui, il avait un fisheye, donc il a pu tout voir. Mais du coup, comme vous ramenez tout sur un seul champ de vision, ben, on perd un peu la magie de l'aspect grandiose. Parce que cet arc-en-ciel nocturne qu'on a créé, en fait, il est aussi spectaculaire en extension qu'un vrai arc-en-ciel. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit l'arc-en-ciel primaire ici, avec des arcs surnuméraires juste à l'intérieur. On voit qu'il y a beaucoup plus de lumière à l'intérieur de l'arc primaire. On voit la bande sombre d'Alexandre qui est ici, et on voit l'arc-en-ciel en fait secondaire ici avec ses couleurs qui sont inversées. Donc on avait reproduit l'essentiel du phénomène d'arc-en-ciel. Ça a été vraiment un souvenir absolument inouï. Donc ça a vraiment été une magnifique aventure. Alors maintenant, on va s'amuser avec des vidéos assez étonnantes. C'est un document que j'ai découvert il y a quelques jours aussi. Vous êtes prêts? C'est parti, on va observer des arcs en mer. Petit clin d'œil à notre ami Guillaume, le biologiste marin. On y va. Alors. Je vais observer des baleines un peu venantes. Enfin, les baleines, un peu aussi crachées. En fait, c'est tout là-dedans. Vous avez un nuage, un peu. Vous avez là les baleines qui crachent leur petit nuage d'eau. Et quand vous avez ce rideau d'eau qui arrive à être éclairé au bon endroit par le soleil, paf, vous tombez dans le bon angle en fait pour aller capter la lumière rouge, la lumière bleue et toutes les autres couleurs. Et donc on voit ces animaux cracher leur arc-en-ciel, c'est assez magique. Donc voilà, je vais vous laisser admirer les vidéos juste pour le plaisir, c'est une terre. Amusant, c'est qu'en fait on voit qu'il y a un décalage entre le moment où les gouttelettes sont poussées et le moment où l'arc-en-ciel apparaît. Il faut juste que l'eau soit au bon endroit pour pouvoir envoyer la lumière. Alors, maintenant, on peut se poser la question, tiens, mais est-ce qu'un arc-en-ciel, on peut le voir à toute heure et en toute saison? Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, voilà, on est bientôt au solstice d'été, hein, au 21 juin, le soleil va être très trop dans le ciel. Est-ce qu'on pourrait voir un arc-en-ciel le 21 juin? Et bon, on va essayer de se servir de la fameuse petite maquette qu'on a construite. Donc, souvenez-vous, pour voir un arc-en-ciel, de quoi on a besoin? Hein, le soleil dans le dos, on a besoin de pluie, donc une petite gouttelette ici. Et donc on a notre petite maquette avec la lumière qui vient du soleil, qui tape dans la goutte sépare les couleurs, on a dessiné ici que le rouge. Alors qu'est-ce qui se passe quand le soleil monte dans le ciel? On y va, voilà, le soleil monte, donc du coup, vous voyez, le rayon tape dans la goutte de façon assez inclinée, et donc dans ce cas-ci, ben, qu'est-ce qui se passe? La lumière qui vient de la goutte vient pratiquement à l'horizontale. Donc si vous avez cette configuration-ci, ben, les gouttes qui vont vous envoyer les couleurs, en réalité, elles vont être très très basses sur l'horizon. Donc, si vous avez un soleil qui commence à monter un peu trop haut, l'arc-en-ciel va être de plus en plus bas. Et s'il est trop haut, le soleil, ben, l'arc-en-ciel, vous ne le verrez pas. Donc, en fait, au mois de juin, à midi, vous ne verrez jamais l'arc-en-ciel. Quand le soleil est trop haut, on ne le voit pas. Alors, ce qui est très joli, c'est que si maintenant vous avez un soleil qui est très très bas, là, c'est le contraire. On pourrait jouer avec la maquette et le montrer. Et là, vous avez un arc-en-ciel qui va être immense, très spectaculaire, très haut dans le ciel. Et en général, quand le soleil est bas, ben, il est rougi par l'atmosphère. Hein. Le coucher de soleil, il est souvent rouge, le lever de soleil aussi. Et c'est là qu'on voit souvent apparaître des arcs-en-ciel en fait rouges comme ça. C'est magnifique. On en a vu sur Mons, je pense, l'année passée. C'est quelque chose d'absolument prodigieux.
Voilà. Alors, et en hiver maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un arc-en-ciel? Ben, s'il pleut en hiver, oui, pourquoi pas, mais en hiver, s'il fait trop froid, on n'aura plus de gouttelettes d'eau. En fait, on aura des gouttelettes, on aura des cristaux de glace. Là, il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Et là, on arrive dans la gamme maintenant des phénomènes qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont même plus fréquents que les arcs-en-ciel. On va pas aller dans le niveau de détail qu'on a fait avec les arcs-en-ciel. Maintenant, on va juste se promener et explorer tout ça. Et vous allez voir qu'il y a plein de phénomènes qu'on peut admirer facilement. Ce qu'il faut surveiller, c'est ce type de nuages qu'on appelle les cirrus. Il y en a beaucoup pour l'instant. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que dès que vous voyez des cirrus, il faut vraiment lever l'œil vers le ciel. Parce que dans ces cirrus, vous avez non pas des gouttelettes d'eau, mais des petits cristaux de glace. Alors, un des phénomènes les plus connus, le voici, c'est ce qu'on appelle les chiens du soleil. Alors, regardez, vous avez le soleil qui est au milieu de l'image. L'image est un peu surexposée. Vous avez un soleil qui est très bas sur l'horizon. Et puis, vous avez sur la gauche soleil ceci, une espèce de petit arc-en-ciel. Et à la droite, un deuxième petit arc-en-ciel. Or, on a vu qu'un arc-en-ciel, il faut l'avoir dans le dos, et il faut de la pluie aussi. Ici, vous avez le soleil en face de vous, et les arcs vous apparaissent dans la direction du soleil. Et en plus, il pleut pas, donc ce n'est pas du tout des arcs-en-ciel. Donc ces phénomènes-ci sont liés en fait à la présence de cristaux de glace. C'est ce qu'on appelle les chiens du soleil, ou les faux soleils, parce que des fois c'est tellement lumineux, tellement intense, que vous avez l'impression que vous avez trois soleils qui sont comme ça alignés. Alors, donc voici les différentes appellations. Ça, c'est assez fréquent, mais le prix à payer, c'est qu'il faut que le soleil soit assez bas sur l'horizon. S'il est haut, ça ne marchera pas. Alors, lors de notre dernière mission à Saint-Véran, Simon s'est amusé à photographier en gros plan comme ça un chien du soleil. Vous voyez, on le voit parfaitement ici, on voit la décoloration et on voit qu'il émerge en fait du nuage, en fait. Il émerge du cirrus. Pourquoi? Parce que c'est le nuage qui comporte en fait les fameux cristaux de glace. Donc, quand on a un arc-en-ciel, ben, les gouttes d'eau tombent des nuages, donc on a quelque chose qui est vraiment, même en dehors des nuages, le paréli, enfin le paréli, le chien du soleil, etc. Ça apparaît vraiment au niveau du nuage. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a les cristaux de glace. Alors, petit zoom sur les cristaux. Vous voyez que le cristal de glace, en fait, il a une forme ici, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 côtés. Donc les cristaux de glace ont tendance à pousser. Avec une symétrie comme ça hexagonale. Et c'est ça qui explique en fait pas mal de choses. Alors imaginez que vous ayez un cristal de glace qui ont une forme un peu aplatie comme ça, voyez, une espèce de galette. Alors si vous voulez comprendre d'où viennent les parélies, c'est très facile, les chiens du soleil. Vous imaginez votre cristal de glace qui est à l'horizontale. Voilà, vous avez la lumière qui rentre dedans. Alors souvenez-vous, quand la lumière rentre dans un milieu différent, ben, elle est un peu déviée. Donc c'est la lumière là qui est déviée. Hop. Quand elle va ressortir, elle est aussi déviée, comme ceci. Donc là, c'est une double réfraction, c'est comme ça qu'on dit. Et vous avez aussi un angle magique qui apparaît. Donc on avait vu que pour les gouttes d'eau, l'angle magique, c'était 42 degrés pour le rouge. Ici, pour les galettes hexagonales, pour ces cristaux de glace, l'angle magique, c'est 22 degrés. Et vous avez une mécanique qui est assez semblable. Alors pourquoi ça donne naissance à des chiens du soleil? Alors oui, on s'est amusé avec les copains. À faire des maquettes assez sympas. On avait vu dans un bouquin de physique qui expliquait ce phénomène qu'il y avait moyen de fabriquer des maquettes en fait qui reproduisent la même densité que les cristaux de glace. Et donc on s'est amusé à prendre, alors nous en Belgique, en français de Belgique, on appelle ça de la frigolite. En France, on appelle ça, je pense, du polystyrène expansé, quelque chose comme ça. Et donc on s'est amusé à jouer avec différentes couches, etc., pour reproduire une maquette qui avait la même densité que les cristaux de glace. Et donc, vous voyez, cette maquette, la voici. Donc, elle a une forme hexagonale. On l'a prise, on l'a lâchée. Et en fait, quand vous lâchez un cristal hexagonal comme ça, c'est extraordinaire parce que vous pouvez lâcher dans n'importe quelle direction. Ce cristal, il tombe tout le temps à l'horizontale. Et donc, ces cristaux de glace, ils sont tout le temps horizontaux dans les nuages. Et ça, c'est le secret, en fait, des chiens du soleil. Pourquoi? Parce que, voilà, imaginez, vous êtes, vous, en train d'observer. Dans la direction du soleil, le soleil est quelque part ici, très très loin. Comme ces cristaux de galettes, enfin, ces galettes hexagonales sont toujours horizontales, ben, vous avez la lumière qui vient du soleil, elle rentre dans la galette, elle est déviée avec l'angle magique, voilà, elle est déviée de 22 degrés, comme ceci. Et donc le petit bonhomme, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, moi je vois la lumière qui vient d'ici, ok, et donc il dit, je vois de la couleur qui apparaît là,
à 22 degrés du soleil. Et donc, je vois de ce côté-ci. Et donc là, il voit le petit chien du soleil qui est ici. Et il voit la même chose de l'autre côté, en fait. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, en fait, dans le ciel, vous avez en général le soleil qui est ici, le petit chien du soleil à droite et le petit chien du soleil à gauche. Alors, et la séparation entre les deux, c'est 22 degrés. Alors, un petit truc pour être sûr que ce que vous voyez est bien un chien du soleil. Vous prenez votre main, votre bras, vous la tendez comme ça. Et en fait, vous regardez, vous mettez votre pouce sur le soleil. Et bien, votre petit doigt va vous donner la position où vous allez trouver en fait le petit chien du soleil. Parce que l'angle que vous allez soutenir en regardant le ciel avec le pouce et le petit doigt, c'est 22 degrés environ. C'est l'angle magique qu'il y a entre le soleil et le chien du soleil. Donc voilà, donc vous voyez, ces parélies, ces chiens du soleil sont liés à ces cristaux de glace qui sont horizontaux. Et un petit conseil, dès que vous voyez des cirrus comme ça provoquer des chiens du soleil ou même des cirrus tout seuls, ayez le réflexe de regarder très haut dans le ciel. Alors ce qui est très amusant, c'est que avant-hier, je sors de chez moi et il y a pas mal de cirrus comme ça. Et j'explique à ma fille, tiens, tu vois, quand tu vois des cirrus comme ça, tu dois avoir le réflexe de lever la tête vers le haut. Et bingo, ce qui devait arriver arriva avant-hier, fin de journée, on a levé la tête. Et tout en haut, au zénith, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un phénomène fabuleux qui est ceci, qui est un arc qui ressemble à un arc-en-ciel, mais qui n'est pas un arc-en-ciel parce qu'encore une fois, il ne pleuvait pas. Cet arc-là, on l'appelle, il a un terme un peu savant, c'est ce qu'on appelle l'arc circumzénital parce qu'il fait le tour du zénith. Donc c'est vraiment magique, hein. Donc vous levez la tête tout en haut et vous avez un arc qui flotte autour du point le plus haut du ciel. Et cet arc-en-ciel, cet arc circumzénial, il est souvent là, enfin souvent, moi je le vois en tout cas 3-4 fois par an, il est là, mais qui a l'idée de lever la tête tout en haut du ciel? Et donc ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller quand vous avez vraiment des cirrus dans le ciel, levez tout le temps, ayez ce réflexe parce que ça apparaît de temps en temps. Alors, on l'a vu pendant peut-être 20 secondes et puis c'est disparu. Donc, on a vraiment le coup de bol, on est sorti au bon moment. Donc, voilà. Les chiens du soleil, levez la tête, paf, arc circumzénital. On le voit bien ici. Et comme vous avez des réfractions, hein, donc comme vous avez la lumière qui rentre dans des cristaux, chaque couleur suit des chemins un peu différents. Et donc, vous avez une séparation des couleurs. Et donc, vous avez cet arc qui est très, très beau à voir. Alors, en général, comme les cirrus ont un aspect comme ça, un peu floconneux, on les appelle aussi des cheveux d'ange, eh bien, ces arcs sont très jolis, ils sont un peu différents parce qu'ils ont l'impression, comme si vous aviez un plumeau comme ça pour ramasser la poussière, mais c'est comme si vous aviez un plumeau avec toutes ces couleurs. C'est vraiment magique. Donc, il suffit de lever la tête vers le ciel de temps en temps, on les voit apparaître. Alors, un autre phénomène très sympa qui est lié à ces cristaux de glace dans l'atmosphère, ce qu'on appelle des piliers de lumière. Alors, je vous montre quelques photos. On en voit un ici. Vous avez le soleil qui est sur le couchant ou sur le levant, peu importe. Toujours une photo de Simon. Et puis, vous avez cette grande colonne lumineuse qui est ici. Alors, je vous montre une autre image qui est très jolie aussi. Et en fait, quand on voit ça, on pourrait se dire, ce qu'on voit, c'est la lumière qui sort du soleil qui va vers le haut. Jamais se fier aux apparences, parce que si la lumière sortait vraiment du soleil qu'elle allait vers le haut, elle n'arriverait pas au niveau de vos yeux, donc vous ne la verriez pas. En fait. Si vous voyez cette colonne, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a de la lumière qui doit quitter la colonne et venir vers vos yeux. Et comment on l'explique? De façon très simple. Voilà, vous avez le soleil qui est très bas, le voici, vous êtes ici. Vous avez plein de petits cristaux galettes dans le ciel. Alors imaginez, un rayon du soleil tape sur ces cristaux galettes. Alors, le cristal galette, c'est comme un miroir, dans ce cas-ci. La lumière se réfléchit sur la partie inférieure et elle repart par ici. Donc, cette lumière-là n'atteint pas les yeux du bonhomme. Donc, le bonhomme, il ne voit pas, il voit rien de particulier. Donc, pour lui, il ne se passe rien. Si je prends un deuxième cristal galette, même chose, la lumière se réfléchit ici, elle repart, elle n'atteint pas l'œil du bonhomme, le bonhomme ne voit rien. Troisième cristal galette, même jeu, la lumière n'est pas envoyée au niveau de vos yeux, au niveau du petit bonhomme. Donc, pour le petit bonhomme, en fait, ces cristaux-là, on les voit quasiment pas. Par contre, si je prends ceci, celui-là, il renvoie la lumière dans la bonne direction. La lumière vient taper dans l'œil du bonhomme. Donc lui, il a l'impression de voir de la lumière qui vient dans cette direction-ci. Si je prends les autres, idem. Et donc, toutes ces galettes hexagonales, comme la magie, c'est qu'elles tombent à l'horizontale. C'est ça le point clé.
parce qu'elles ont exactement la bonne densité qu'il faut pour qu'elles ne se retournent pas, etc. Et donc, comme elles sont à l'horizontale, elles jouent le rôle de petits miroirs. Et donc, elles donnent naissance à quoi? À ceci. Regardez en synthèse. Le petit bonhomme, il a l'impression que quoi? Il a l'impression de voir de la lumière qui vient d'ici, de la lumière qui vient de là, lumière qui vient d'ici. Et donc, pour lui, son cerveau reconstitue la direction d'arrivée des faisceaux et il a l'impression de voir dans le ciel, en fait, une colonne de lumière. Voilà. Mais c'est toujours le même mécanisme, c'est cristaux de glace. Dans le cas des chiens du soleil, la lumière rentre dans les cristaux et ressort. Et dans le cas de la colonne lumineuse, eh bien, c'est les cristaux qui jouent le rôle de petits miroirs. Voilà. Alors, je vous remets ici une photo de Simon, une photo très sympa qui a été prise cette fois-ci, non pas au coucher du soleil, mais en pleine nuit. Alors, Simon me racontait qu'il avait passé une soirée à l'observatoire de Lille. Et en revenant, subitement, il voit apparaître dans le ciel. Regardez, là, vous avez la constellation d'Orion. Ici, vous avez la ceinture. Vous avez Sirius qui est là. Vous avez toute la lumière parasite de l'éclairage urbain. Et on voit plein de colonnes apparaître dans le ciel. Donc, Simon m'a dit, j'ai poussé un peu trop sur le champignon. Je voulais absolument, j'avais pas d'appareil-photo avec moi. J'ai voulu arriver chez moi et photographier, immortaliser cet phénomène avant qu'il ne disparaisse. Et donc, quand il a réussi à prendre la photo, le phénomène était déjà en train de disparaître. Donc, il l'a vu vraiment, en fait, beaucoup plus beau que ça. Alors, moi, c'est un phénomène que je l'ai dû le voir, à mon avis, trois fois, je pense, dans ma vie. C'est vraiment magique, hein. Ça apparaît comme ça. Et en vrai, c'est vraiment fantomatique. Alors, une photo vraiment merveilleuse aussi de ce phénomène de ces colonnes de lumière. Alors là, pourquoi finalement on voit les colonnes? On voit les colonnes parce qu'il y a ces cristaux de glace. Mais là, on est en pleine nuit, donc il n'y a plus de soleil. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine en fait de toutes ces colonnes de lumière? Eh bien, c'est l'éclairage urbain de villes lointaines. Donc, si vous voulez, c'est la lumière qui vient des villes, qui se réfléchit sur les petites cristaux galettes et qui repart dans vos yeux. Et donc, voilà, suivant la couleur, suivant l'endroit où se trouvent les villes, on voit apparaître toute cette féerie ici lumineuse. Voilà. Alors maintenant, on va voir une autre gamme de phénomènes aussi très fréquents, qui sont aussi liés à des cristaux de glace. Alors, cette photo-ci est très très belle, hein. Ça, c'est Simon qui a photographié ça. Alors, ça, c'est un phénomène, en fait, je dirais pas qu'il est rare, hein, mais en général, on n'a pas la tendance à le voir parce qu'il est dans la direction du soleil. Donc là aussi, vous avez des cirrus qui entourent le ciel, réflexe à avoir, même si on vous prend pour des débiles, c'est pas grave, c'est pour la science. Vous prenez votre main, vous cachez le soleil, hein, vous cachez la zone centrale ici, et souvent on voit apparaître un anneau de lumière ici, avec une décoloration. Alors, c'est ce qu'on appelle un halo solaire. Simon, il a pris cette photo. Donc, il était avec le copain d'astro de Courrières, hein, le copain du GAC. Et donc, ils étaient partis dans le sud. Ils étaient en Bourgogne. Et Simon me raconte, voilà, en journée, on n'avait pas grand-chose à faire. Il m'a dit, alors j'utilise ces mots, c'est quand on glandouille un peu qu'on a le temps de beaucoup lever les yeux vers le ciel. Et c'est là qu'on voit plein de choses, en fait. Si évidemment, vous êtes pris par la routine et que vous allez rapidement d'un point à un autre. Vous n'avez pas le réflexe de regarder vers le ciel. Donc, en fait, il se passe souvent des choses. Donc, là, on voit apparaître ce halo lumineux, qui est aussi un halo ouvert à 22 degrés, en fait. Alors, voici une autre photo de Simon prise le même jour, assez jolie. Voilà. Et puis, ça, c'est une photo qui a été prise par notre étudiant Nicolas. Il m'a envoyé cette photo-ci, en fait, il y a une dizaine de jours. Nicolas a beaucoup travaillé sur notre atelier arc-en-ciel. Et donc, il m'a dit, regarde ce que j'ai vu de nuit. Et donc, c'est une photo qu'il a prise dans son jardin. Et il a vu apparaître un halo ici, aussi un halo à 22 degrés. Donc, idem, hein, vous prenez votre pouce, vous le mettez au milieu du halo, et puis votre petit doigt vous donne l'endroit où se trouve le halo. Et en fait, le halo, à quoi il est dû ici? Mais toujours ces cristaux de glace. Mais là, ce n'est pas le soleil, c'est la lune qui est au centre. Donc, c'est un halo lunaire. Et le halo lunaire, en fait, il apparaît même plus facilement, enfin, on le voit plus facilement parce qu'on n'est pas autant ébloui qu'avec le soleil. Et ça, c'est vraiment des choses fréquentes, hein. Et c'est très impressionnant parce que contrairement à ce que cette photo tend à montrer, 22 degrés dans le ciel, c'est beaucoup. Et donc, vous avez quelque chose de très grand, qui est très spectaculaire. Alors là, je vous montre un document qui est assez joli, qui a été pris par un astronome amateur Voilà, c'est une vidéo qui a été prise il y a quelques semaines par un astronome amateur en Sicile, du côté de Raguse. Alors, je vais remettre la vidéo au début. Ici.
Alors on voit tous ces cirrus, le soleil qui est en train de se coucher, le soleil est bas. Comme il est bas, vous voyez, la lumière des cristaux de glace, des galettes peut vous arriver dans vos yeux. Donc vous avez ici les champs du soleil. Et on devine en fait le halo qui est là à 22 degrés. Donc vous avez le halo, vous avez eu les champs du soleil, mais là on ne les voit plus. La nuit va arriver, les nuages sont toujours là. Et quand la lune va apparaître, là il est en pleine ville, paf, ben, comme les conditions physiques n'ont pas changé, nouvel halo, mais cette fois-ci il est autour de la lune. Et vous voyez, c'est plus sombre ici à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. C'est des choses assez sympas. Donc, merci aussi à Giovanni de m'avoir autorisé à utiliser ce document. Alors, en fait, d'où viennent ces halos? Donc, on a vu que tout ce qui était chien du soleil, pilier de lumière, c'était des galettes. En fait, il n'y a pas que des cristaux galettes. Il y a aussi des cristaux crayons. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les halos, ben, on peut les dessiner avec des crayons de glace. L'image est assez sympa. Et donc, suivant que la lumière rentre sur une face, en sort par une autre, il y a aussi des angles magiques. Les cristaux de glace, les crayons, eux, peuvent se mettre dans n'importe quelle orientation. Et donc, il y a plus de liberté de mouvement, s'il y a plus de liberté pour dessiner des choses. Et donc, tous ces halos sont dessinés par des crayons et pas par les galettes. Et donc, voilà, là, c'est une photo qu'on a prise à Saint-Véran, que Joël a prise à Saint-Véran il y a quelques années. Et cette photo-ci, figurez-vous que, bon, c'est une photo qu'on montre souvent, donc on voit le soleil ici. L'observatoire qui est là, on voit ce halo à 22 degrés, et en fait, en observant la photo, en préparant la conférence, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. Alors, je l'avais déjà repéré cette autre chose, mais en fait, je connaissais pas cette autre chose il y a encore 15 jours. Vous voyez, il y a ici une espèce de grande ligne lumineuse totalement séparée du halo. Alors, il y a une grande ligne lumineuse, et puis il y a une petite zone plus brillante ici. Alors, en creusant un peu le sujet, j'en ai discuté avec Simon. Et Simon m'a envoyé une photo assez sympa qui est celle-ci. Voilà. Alors observez-la bien. Vous avez le soleil qui est ici. Vous avez le halo à 22 degrés. Et puis vous avez un autre halo complètement décalé. Alors on appelle ce truc le cercle parallélique. J'ai vu la photo et j'avais du mal à comprendre ce que je voyais en fait. J'ai dit, comment c'est possible que là, je vois le soleil qui est haut sur l'horizon et puis j'ai l'impression qu'il y a en fait un autre cercle qui est vertical comme ça dans le ciel. Puis j'ai commencé à chercher un peu sur le web, on vous raconte que ce cercle parallélique qu'on voit ici, eh bien, il est toujours à la hauteur du Soleil. Enfin, moi, ce que je vois sur la photo, c'est il est à la hauteur du Soleil ici, mais là, il est beaucoup plus haut. Mais non, évidemment, parce qu'une photo, c'est qu'une projection. Et j'ai compris, en fait, en voyant la photo, la vidéo suivante. Alors, accrochez-vous, c'est un phénomène que je ne connaissais pas encore il y a 10 jours. Et que Simon a eu l'occasion de voir ici. Simon m'a raconté avoir vu ça à deux reprises. Une fois en étant à Buckingham Palace, alors Simon n'a pas du sang royal, mais il était devant le palais, il était là pour le changement de garde, et à sa grande stupéfaction, il voit ce cercle parallélique, et il montre ça aux touristes japonais qui étaient là, et finalement tout le monde a regardé le cercle parallélique plutôt que de suivre la garde, et voici ce que les gens ont vu, et voilà ce que je ne comprenais pas. La vidéo suivante vous montre ce qui se passe. Regardez, c'est absolument merveilleux. Voilà. Attention, c'est parti. Voilà. Il y a un petit gars ici qui va dehors. Et il voit un cercle blanc ici. Une zone plus brillante ici. Le cercle est complètement à l'horizontale dans le ciel. Hop. Des parallèles ici. Le soleil. Des parallèles. Le cercle à 22 degrés. Il continue. Voilà. Le cercle est complètement horizontal. D'autres parallèles ici. Donc en fait, ce cercle parallélique, il est incroyable. Regardez, et tout en haut, vous avez l'arc circumzénital. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce cercle parallélique, quand il apparaît, il est à la hauteur du Soleil et il fait tout le tour du ciel, donc sur 360 degrés, en démarrant du Soleil. Et en fait, il reprend d'autres parallèles en plus. Et quand vous avez ce phénomène-là, toujours le même réflexe, lever la tête vers le ciel et autour du zénith, vous pouvez avoir l'arc circumzénital en plus. Et donc, si vous écoutez les commentaires du petit bonhomme qui a pris la vidéo, il n'en revient pas en fait. Et vous voyez à quel point l'arc circumzénital peut être lumineux. On va continuer notre petit schéma. Alors, Joël m'a envoyé une photo hier, là aussi, d'un autre phénomène supplémentaire. Alors, celui-là, moi, je ne l'ai jamais trop vu. Vous avez le soleil qui est ici. Alors Joël a eu l'intelligence de mettre un arbre devant son champ de vision. Et donc du coup, il est un peu moins ébloui. Alors on devine ici l'arc
le cercle à 22 degrés, avec les parhélies qui sont là. Et regardez ce qu'il a pu photographier, quelque chose d'encore d'assez rare. Il voit un bout d'arc qui démarre ici, ce qu'on appelle l'arc tangent, qu'on voit là. Ça, j'ai jamais vu. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va tout remettre ensemble. Et on va voir tout le panorama de tous ces phénomènes liés à ces cristaux de glace qu'on peut facilement, enfin, qu'on peut voir. Certains phénomènes sont fréquents, d'autres plus rares. Et voilà, là aussi, c'est un petit dessin que je me suis amusé à refaire. Donc, quelle est toute la panoplie de phénomènes qu'on peut observer? Voilà, vous avez votre petit bonhomme qui est là, donc ça c'est vous. Vous avez le soleil. Il vous faut les cristaux de glace, donc il vous faut des cirrus. Alors, si vous en avez trop, évidemment, le ciel va être opaque ou ça ne marchera pas. Il faut la bonne dose. Alors, dans les cas fréquents, quand le soleil est bas sur l'horizon, ben, on voit les parhélies, donc les champs du soleil, à gauche et à droite, comme les petits bouts d'arc-en-ciel. De temps en temps, on voit le halo à 22 degrés, ici. Donc, les parhélies, ils sont liés à la présence des cristaux de glace qui tombent à l'horizontale. Par contre, le halo à 22 degrés, c'est la même mécanique, mais c'est des crayons de glace qui peuvent tourner dans toutes les directions. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ben, si on a des cristaux de glace galette, eh bien, on peut voir le fameux pilier, la fameuse colonne de lumière au-dessus ou même en dessous du soleil, dans certains cas. Alors, dans des cas plus rares, alors, on peut aussi voir l'arc circumzénital. Donc, c'est l'arc qui fait le tour du zénith ici. Et voilà. Alors, l'arc circumzénital, il peut toucher dans un certain cas un cercle plus rare encore, que moi, je n'ai jamais vu, qu'on appelle le halo à 46 degrés, je vous montre en vidéo dans quelques instants. Donc, c'est le deuxième halo qui est ici. Voilà, beaucoup plus grand. Et on peut avoir ce que je vous ai montré il y a quelques minutes, le fameux cercle parhélique qui est à la hauteur du soleil et qui reprend des parhélies supplémentaires. Il y en a à 46 degrés, donc aussi sur le fameux halo ici. Et puis on peut les voir un peu plus loin à pratiquement 120 degrés. Ça, c'est vraiment le schéma général de tout ce qu'on peut voir dans ce ciel, plus les petits arcs tangents que Joël a photographiés et pour lesquels il m'a envoyé une photo hier. Ça, c'est la totale. Et vous me dites, oui, mais est-ce que on peut voir tout ça en même temps? Alors, dans certaines peintures, voilà, réalisées par le passé, on peut voir ces phénomènes qui sont là. Mais évidemment, avoir la totalité, c'est rare. Avoir l'un ou l'autre, c'est plus ou moins fréquent. Mais comme maintenant, on vit à une époque, évidemment, où chacun d'entre nous, pratiquement, avons un smartphone, et donc on a une caméra, un appareil photo, et donc ça devient fréquent de voir tout ça. Donc maintenant, on va s'amuser. Je vais vous montrer trois vidéos hors du commun. On va voir ce qu'on appelle le grand show. Vous êtes parti, on y va. Alors là, ça commence par quelques images. Et puis ça va être une vidéo. Voilà, donc vous avez le soleil qui est ici. Le grain n'en revient pas. Voilà, vous avez splendide. Vous avez le halo à 22 degrés, les parhélies qui sont ici. Extraordinaire, vous avez la colonne ici lumineuse, la colonne lumineuse. Vous voyez, vous avez la colonne en dessous du soleil et les parhélies sont tellement lumineux ici qu'on a même des colonnes supplémentaires qui apparaissent. Alors, je vais vous laisser profiter un peu de la vidéo. Et on voit le cercle parhélique. Là, on voit la totale. Så jävla balt. Alors, c'est extraordinaire à mon avis. On a ici le soleil, Jag le vet inte halo à 17 22 om det degrés, les on le parhélies, met på film. le cercle parhélique, mais malheureusement, l'observateur, il Jag sait tänker pas, så. comme il connaît pas à ce moment le phénomène, il n'a pas le Men réflexe d'aller filmer derrière. On a ici vilken l'arc jävla tangent, art, vilken le halo à Ja, det 46, här är häftigt.
Et là, vous avez Mais l'arc qu'est-ce autour du zénith. Donc, il a pratiquement la totale. Regardez les images prises par drone, c'est extraordinaire. On a vraiment l'ensemble, et vous avez même la colonne lumineuse qui est ici au niveau. Je pense que voir ça dans sa vie, c'est une expérience, à mon avis, absolument inoubliable. Ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, malheureusement, il filme pas tout autour parce qu'il a cette cercle parallèle qui doit a priori faire le tour du ciel. Oh, c'est longtemps le box. Ah, ma Il fait une arc Ouais, balte. Balte. Voilà. Et alors, je vous montrais le dernier dernière vidéo du même genre. Ça, c'est prodigieux. Et là, on voit aussi le cycle parallèle qui est là. Colonne de lumière. L'arc de la 48 degrés ici. Voilà. Alors maintenant, on va changer complètement de gamme de phénomènes. On va aller voir les fantasmagoriques. Alors, ça, c'est vraiment les trucs. C'est vraiment le top, on va dire. C'est assez rare. Hein. On y vient. Alors, c'est des photos que Joël a réalisées ici à Saint-Véran. Lors de nos missions, lors de nos deux dernières missions, à chaque fois, on a vu ça. Comment ça se passe? On était au coucher du soleil, en tout cas pour cette photo-ci. Donc, le soleil est très très bas. Nous, on est sur le bord du pic de Château-Renard, on a 3000 mètres d'altitude. Et autour de nous, en fait, il y a un brouillard qui s'est levé. Alors, comme le soleil est bas, ben, vous avez vos ombres qui vont très très loin. Alors, je vais vous dire un truc, moi je ne peux pas vous le dire, mais c'est l'endroit en fait où les gars font leur petit pipi. Donc, on passe beaucoup de temps les uns les autres ici. Et donc, on voit vraiment cette ombre qui est immense. Et puis, autour de notre ombre, on voit apparaître ce qui ressemble en fait à un arc-en-ciel. Mais ce n'est pas un arc-en-ciel, parce qu'encore une fois, il ne pleut pas. Et puis, un arc-en-ciel, il n'est pas rond, il n'est pas centré sur vos ombres. Alors, Joël a retravaillé la photo ici. Et donc, on voit une succession ici de couleurs qui ne correspondent pas à ce qu'on voit dans un arc-en-ciel. Et ça, c'est ce qu'on appelle une gloire. Alors, rien que ça, c'est extraordinaire. Mais on n'est qu'au début de nos surprises. Cette année, en fait, j'étais dans la salle de contrôle, j'étais en train de rédiger le journal de bord. Et puis, je regarde par la fenêtre et je vois la lueur du couchant. Par l'autre fenêtre, je vois qu'il y a plein de brouillard autour de nous. Je me dis, ça, c'est les bonnes conditions pour la gloire. Je me précipite à la fenêtre, je regarde, et bingo, on avait l'ombre de l'observatoire avec une gloire autour de l'ombre. Donc, vite, je descends, je préviens les copains qui étaient dans la salle de contrôle. J'ai dit, il y a une gloire. Alors, ceux qui connaissent le phénomène ont hurlé de joie, ils sont tous sortis, les autres nous ont regardés avec des yeux d'extraterrestres. On est tous allés se placer. Sur le bord là, de la montagne, alors, on avait l'air bizarre parce que vu derrière avoir 10 gars comme ça, tous sur le bord alignés, c'était assez curieux. Et là, on a encore vu ce miracle se produire. C'est que, en fait, on voit évidemment les ombres de tout le monde, mais on ne voit la gloire qu'autour de sa propre ombre. Donc, si c'est moi, par exemple, si c'est Joël qui a pris la photo, si on était autour de lui, eh bien, il verrait l'ombre autour, il verrait la gloire autour de son ombre. Mais les autres ombres à côté ne sont pas glorifiées en quelque sorte. Idem pour les autres. Et donc, je ne vous dis pas ce que les légendes racontent autour de ce phénomène-là. Par le passé, il semble qu'il y ait des missions d'alpinistes qui sont mal passées, et puis il y a quelques survivants, et puis il y a quelqu'un voilà, qui voit les ombres de tout le monde, et puis autour de son ombre, il voit une espèce de couloir. Voilà. Autant que vous êtes un peu mystique, ça peut vous laisser penser plein de choses. Et donc, cette gloire, elle est fantastique parce qu'il y a des conditions particulières, donc c'est pas sur le plancher des vaches qu'on la verra. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, s'il faut chaque fois aller à 3000 mètres d'altitude pour la voir, ben figurez-vous qu'en avion, on la voit très très souvent. Ça, je l'ai vu aussi. Il y a plein de vidéos sur le web qui existent parce qu'en avion, ben, vous êtes dans les bonnes conditions. Vous avez un soleil qui peut être bas et vous avez les nuages en dessous de vous. Et donc en général, vous avez la gloire qui suit l'avion comme ça. Donc, donc c'est un phénomène qui est rare. Troublant parce qu'elle n'est centrée qu'autour de votre propre ombre, mais la physique qui est derrière, purée, en fait, c'est un vrai casse-tête. On pourrait dire, ok, l'arc-en-ciel, encore, il est étudié depuis des siècles, des millénaires,
C'est plus ou moins connu, même si c'est très subtil. Et donc la gloire, on devrait la connaître aussi. Eh bien, figurez-vous que tous les physiciens se sont cassés les dents jusqu'au début des années 2000. Donc les années 2000, c'est là, on est dans les années 2000, hein. Donc c'est vraiment au début des années 2000 qu'il y a un physicien en fait brésilien qui a percé en partie le mystère. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez le soleil qui est derrière vous. Donc il faut que la lumière vienne de derrière vous. Il faut qu'elle tape sur le nuage en dessous de vous, donc sur ce nuage de brouillard, etc. Et il faut que la lumière revienne dans votre direction. Donc, il faut qu'il y ait un phénomène de rétrodiffusion. Donc, là, on peut imaginer différents mécanismes. Mais il faut que le mécanisme aussi vous redonne la succession de couleurs qu'on voit là. Et puis, il faut que le mécanisme il soit très sélectif. Parce que si vous avez un copain à côté de vous, ben, vous ne devez pas avoir la couleur autour du copain, autour de son ombre. La couleur n'apparaît qu'autour de votre propre ombre. Et en fait, il n'y a qu'au début des années 2020, donc on a compris le mécanisme. Alors, encore une fois, par simulation, on arrive à le reproduire, hein. Mais vraiment dire c'est à cause de ça et pas ça. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails physiques, mais figurez-vous qu'il y a un effet tunnel qui permet d'expliquer ça. Donc, pour ceux qui aiment bien la physique, on peut en dire un mot après. Et donc, c'est une physique très, très subtile qui est là derrière, qui explique la couleur. Oui, c'est aussi beau à voir que subtil à comprendre. Alors, d'autres exemples de gloire. Alors, oui, alors. Ça peut donner lieu à des phénomènes bizarres. Hein. Donc, si vous êtes un peu en hauteur et que vous avez un peu de brume sur la ville, vous avez l'impression qu'il y a un fantôme qui apparaît là. À propos de fantômes, ce phénomène il est associé à un autre phénomène fantomatique. Alors, regardez bien l'ombre du personnage ici. Vous avez l'impression que les bras sont un peu déformés. Et là, je vous montre une photo que Simon a prise aussi à Saint-Véran. Ah oui, je vais vous la montrer après. Oui, donc pour vous montrer le phénomène de la gloire, je me suis amusé à faire ce petit dessin. Donc imaginez, vous avez le soleil qui est bas, un petit bonhomme qui est éclairé, vous avez son ombre qui se projette sur le nuage. Donc si vous observez ça de l'extérieur, vous voyez juste l'ombre du personnage, donc rien de magique. Par contre, si vous êtes aligné avec le petit bonhomme, et qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme est éclairé par le soleil, vous avez l'ombre qui apparaît. Et si vous êtes juste derrière le bonhomme, eh bien là, le bonhomme, lui, tout comme vous, il verra apparaître la gloire autour de l'ombre. Si maintenant il y a une ombre ici à côté, eh bien encore une fois, la gloire n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de troublant. Alors, Simon, dans sa traque incessante au météore, ben, il s'amusait, il a vu quelque chose de curieux. Cette gloire est associée à un phénomène secondaire qu'on appelle le spectre du Brocken. Alors, le Brocken, c'est une montagne en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Où bon, des gens ont vu des gloires comme ça. Et cette gloire, en fait, dans certains cas, bien, ça vous donne une image tout à fait étrange de votre ombre. Alors là, c'est une photo que Simon a prise en pleine nuit. C'est une année, en fait, où ils ont eu une météo infâme à Saint-Véran. Donc, bon, il m'a dit de ne pas trop dire dans quelles conditions la photo a été prise. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ils s'ennuyaient comme des rats morts ce soir-là. Et l'observatoire était complètement noyé dans la brume. Et à un moment donné, bah, il sort faire le petit pipi quotidien. Et donc, il y a la lumière de la base elle-même qui, la lumière de la base elle-même qui éclaire en fait le brouillard. Et donc, il voit une gloire apparaître. Alors, on est en pleine nuit, hein. Donc il n'y a pas assez d'intensité lumineuse pour voir les couleurs. Bon, soit une espèce de gloire, oui, c'est ça. Et puis, il y a l'ombre. Et vous voyez, l'ombre de Simon est complètement difforme. Avec tout le respect que j'ai aussi pour Simon, on voit que ses bras deviennent immenses, ses pieds aussi, sa tête ici qui n'en finit pas. Et donc, cette partie-là du phénomène de gloire, ça porte un nom, on appelle ça le spectre du Brocken. Donc, c'est le fantôme du Brocken, le fantôme que les gens voyaient depuis la montagne qui s'appelle Brocken en Allemagne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez amusant. Voilà. Et puis maintenant, on va aborder un phénomène lumineux, mais qui lui est vraiment quotidien en fait. Dès que le soleil est visible dans le ciel, dès que vous avez à faire un coucher en lever de soleil, il est tout le temps là, juste qu'on n'a pas l'habitude de le voir parce qu'il a la bonne idée de se produire à l'opposé de l'endroit où le soleil se lève. Donc quand vous savez qu'il est là, bon, on le voit pratiquement tout le temps. Alors le voici, c'est un phénomène qui est très très joli. Alors là, c'est une photo de Simon, aussi prise à Saint-Véran. Donc le soleil vient de se coucher, il vient de se coucher, il est très bas sur l'horizon. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de regarder en fait là où il s'est couché, vous devez regarder, donc ça c'est la Terre, le soleil vient de se coucher ici, vous devez regarder dans l'autre direction, par là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cette bande ici qui est tout à fait bleutée.
On voit cette bande apparaître. Et puis cette bande, elle est surmontée d'une zone comme ça, un peu rosâtre. Alors là, on voit l'ombre même du mont Viso qui apparaît ici. Et plus le soleil va descendre sous l'horizon, plus la bande mauve ici va monter en hauteur sur le ciel. Et ça va durer 20 minutes. Donc vous avez le soleil qui se couche, le soleil se couche, l'ombre, l'arche sombre augmente, devient très contrastée, et puis à un moment donné, pouf, elle disparaît. Ça ne dure que 20 minutes. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? On va le comprendre dans un instant. Alors, je vous montre cette autre photo-ci. Alors, cette photo-ci, elle a aussi été prise à Saint-Véran, non pas par Simon, mais par notre ami Jean-François. C'est une photo qui a été prise cet hiver. Donc là, on est à l'opposé du soleil. Donc, le terme technique, c'est que la partie sombre qui est là, c'est une arche, parce qu'elle a une forme d'arche. On appelle ça l'arche anticrépusculaire, parce qu'elle est à l'opposé du crépuscule. Donc ça, c'est l'arche anticrépusculaire qui est surmontée de la ceinture de Vénus, surmontée en fait des premiers rayons rougeâtres qui arrivent encore à toucher le ciel. Alors pourquoi on a ceci? Un petit schéma explicatif. Quand le soleil vient de se coucher, quand il est sur le point de se lever, eh bien, il éclaire en fait la Terre. Mais vous voyez qu'en fait, ici, vous avez l'ombre de la Terre qui vient se projeter sur l'atmosphère. Donc la partie sombre qu'on voit qui est toute mauve, là, mauve bleutée, ça, c'est l'ombre de la Terre qui se projette sur l'atmosphère. Et puis la ceinture de Vénus, ben, c'est les derniers rayons qui arrivent à l'atteindre. Et donc ce qu'on voit, en fait, c'est l'ombre du monde. Et donc ce phénomène, ben, il apparaît à tous les levers de soleil, à tous les couchers de soleil. Donc c'est absolument magnifique. Donc même quand vous partez à l'école le petit matin, amusez-vous à le voir. Il faut juste regarder là où personne ne regarde, donc à l'opposé du coucher ou du lever de soleil. Alors je vais vous montrer maintenant une vidéo qui est assez chouette. Et dans cette vidéo, ben vous allez voir de façon fugace cette arche anticrépusculaire et cette ceinture de Vénus. Ça va aller très très vite, parce que la vidéo, évidemment, c'est une vidéo qui est en accéléré. Alors je vous la montre et puis on fera un arrêt sur image. À vous de jouer. Alors quand je présente la vidéo en conférence, je demande aux gens de lever la main quand ils la voient ou de m'interpeller. Bon, si ça va être un peu difficile, on y va, c'est parti. Donc vidéo qui a été tournée aux Canaries. Vous avez vu, je reviens en arrière. Regardez, le soleil se couche, donc on voit bien que les ombres sont de plus en plus grandes. Et regardez maintenant ici, à l'opposé de l'endroit où le soleil se couche, vous allez voir l'ombre de la Terre qui va monter et qui puis va disparaître. Attention, ça va aller très très vite, c'est parti. Hop, l'ombre monte, hop. Et puis la pleine soleil, évidemment, la lune est en face. Maintenant, on va aller chercher directement l'autre endroit, on le voit bien. Un lever de soleil, donc l'ombre descend. Vous voyez, l'ombre la voit ici. Hop, ferme juste avant. On est parti. L'arche est là, elle descend et paf, c'est fini, le soleil se lève. Et puis, se coucher le lever de soleil est associé à un autre phénomène que tous ceux qui sont habitués à la montagne ont l'habitude de traquer, ce qu'on appelle le rayon vert, voire le rayon bleu. En fait, voici une photo de Simon. Suite à la réfraction dans l'atmosphère terrestre, donc la lumière, quand elle traverse les couches basses de l'atmosphère, ben, les couleurs sont aussi un petit peu séparées. Vous voyez sur cette photo aussi de Simon, on voit qu'il y a une frange verte ici sur le soleil. Hein, c'est lié au fait que la lumière du soleil est un peu décomposée. Et évidemment, imaginez que maintenant que ce soleil se couche, eh bien, quand il descend, ben, bon, le dernier rayon qui va passer au-dessus de l'horizon, qui va atteindre votre rétine, ben, c'est du vert en fait. Et donc, si vous êtes dans un endroit où le ciel est extrêmement pur, le dernier éclat de soleil qui atteint vos yeux, ou le premier si c'est le soleil qui se lève, ça dure une fraction de seconde et c'est un éclat vert, ce qu'on appelle le rayon vert.
Alors, moi, je n'en avais entendu parler, je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Et puis à Saint-Véran, on m'a dit, mais tu sais, à Saint-Véran, on ne va jamais se coucher avant d'avoir vu le seul, on va, avant d'avoir tenté le rayon bleu. J'ai le rayon vert, je connais, mais le rayon bleu, c'est quoi? Eh bien, dans les cieux, dans les endroits où on a les cieux les plus purs, au-dessus du vert, il y a aussi du bleu. Et donc à Saint-Véran, quand le soleil est sur le point de se lever, on voit un éclat bleu, un éclat vert, et tout le soleil se lève, c'est parti, on va se coucher. Et donc, c'est très difficile à photographier. Simon y est arrivé en partie. Et donc on voit ici cet éclat bleuté vraiment au moment où le soleil est sur le point de se lever. Mais en vrai, c'est magique, mais c'est vraiment extrêmement fugace. Voilà, c'est la tradition à Saint-Véran. Et maintenant, je vous invite à voir des phénomènes peu connus. Moi, je ne les connaissais pas encore il y a quelques années et je les ai vus pour la première fois l'année passée. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on fasse cette conférence début juin, pas voulu attendre trop. Parce que là, on est dans des conditions optimales de maintenant, je dirais, au solstice d'été, la période qui dépasse un peu le solstice d'été. On est très bien mis dans le haut de latitude, dans l'hémisphère nord, pour voir un phénomène superbe. Moi, je n'ai pu observer ça qu'une fois l'année passée, mais il se fait que pour des raisons pas très claires, on les voit de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle des nuages noctilescents. Alors, Simon est aussi un des meilleurs traqueurs de nuages noctilescents. Les voici. Vous voyez, ce sont ces nuages ici très filamenteux qui sont un peu bleutés. On dirait qu'ils sont pratiquement électriques. Alors, je vais vous montrer d'autres photos de ce type de nuages. Ici, c'est aussi une photo de Simon. Donc, en gros, vous êtes pratiquement dans la nuit et on voit apparaître, mais très tard, hein, donc c'est pas avant 11 h du soir, très haut comme ça, ces nuages quasiment luminescents, donc ces nuages noctilescents. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On a de la chance de vivre là où on vit, parce qu'à cette période de l'année, le soleil, il est mis d'une certaine façon, il est sous l'horizon, mais ses rayons arrivent en fait à éclairer les nuages les plus élevés qu'on puisse espérer observer. C'est des nuages qui sont presque aux portes de l'espace. On est à 85 km d'altitude. On considère que l'espace, c'est à partir de 100 km en arrondissant. Et donc, c'est un milieu qui est très raréfié. Mais pour avoir des nuages, ben, il faut quand même avoir des gouttes d'eau ou des cristaux de glace qui ont besoin de grains de poussière pour venir s'agglomérer dessus. Et l'origine de ces nuages est très mystérieuse. Donc on suppose qu'ils viennent se créer, se générer autour de poussières qui ont été amenées là par les comètes, par les nuages les poussières de comètes. Donc c'est peut-être des poussières en fait d'origine extraterrestre qui sont à l'origine de ces nuages-là. Ça peut être des poussières d'origine volcanique, on ne sait pas trop. Toutes les conditions d'apparition sont en train d'être étudiées. Donc on en parle depuis quelques années. On n'a pas des observations très longues dans les archives. Hein. Je pense qu'on a quelques observations qui remontent à 1885, mais c'est pas. Et moi, personnellement, il n'y a que quelques années que j'en ai entendu parler. Et puis l'année passée, on a eu un festival, il y en a eu vraiment énormément. Et la nuit du solstice, c'était vraiment fou. On en a vu, mais extrêmement lumineux. En fait, il y avait un des copains, je pense que c'est un des copains du club de Namur, qui avait dit attention, il y a des noctilescents. Je suis sorti de chez moi, je les ai vus. J'ai vite mis sur ma page Facebook qu'ils étaient visibles. Et donc, du coup, plein de gens ont pu les voir. Alors, je vous montrais des photos qui ont été prises ce soir-là. Donc, là, c'est aussi une photo de Simon. Donc, il a zoomé un peu sur le nuage. Et on voit cette couleur très particulière avec ce phénomène de vague ici. Donc, voilà, Simon me disait qu'il y a des phénomènes. Moi, je ne connais pas bien des instabilités, voilà, je ne veux pas dire de bêtises, connues par des thermodynamiciens. Et regardez ce soir-là ce que les gens ont vu à Paris. Ouais, c'est vraiment magique. Alors, donc, c'est la bonne période, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai fait la conférence maintenant. Bah, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de nuages en dessous, sinon les noctilescents, vous ne les voyez pas. Et donc, il faut donc jeter un œil le soir, 11 h minuit, pour tenter de les voir, ou alors vraiment au petit matin, très tôt. Alors celle-ci est très très belle aussi. Donc on voit des noctilescents qui se réfléchissent là sur ce plan d'eau. Voilà, et cette photo-ci qui est très très belle aussi. Donc vous voyez, on a vraiment de la chance. La période du solstice, évidemment, nous empêche de voir vraiment un ciel sombre. D'un point de vue astronomique, on n'a pas de ciel, on n'a pas de nuit astronomique pour l'instant. Le soleil ne descend pas assez bas pour l'horizon. Mais comme je vous disais, il y a d'autres phénomènes qui peuvent être admirés. Alors on pense que le fait que ces nuages noctilescents sont de plus en plus fréquents, on pense que c'est lié probablement au réchauffement climatique
à la pollution aussi, en aérosol, etc. Alors maintenant, on va vous parler des exotiques. On arrive tout doucement à la fin, hein. Maxime a dit qu'il ne voulait pas dépasser 11 heures. Tu pourrais te coucher, mon enfant, à la bonne heure, je pense. Alors, dans les exotiques, on a ce qu'on appelle la lueur de l'air, donc ce qu'on appelle l'air glow. Je vais commencer par cette photo-ci. Alors, les habitués l'ont déjà vue. C'est une photo qui a été réalisée par l'ami Quentin, Club d'Astro de Mons, qui est un astrophotographe super talentueux. Alors, c'est une photo qu'il a réalisée à Saint-Véran il y a 2 ans. Une nuit absolument dingue, hein. C'était une nuit où on avait à la fois un orage sur l'Italie ici, donc on avait le ciel qui s'illuminait pratiquement 2 fois par minute. On était en plein pic des étoiles filantes des Persides, donc tous les 30 secondes, on a eu une étoile filante, et ça durait presque toute la nuit. Il y en avait tellement, on ne la regardait même plus. On avait une voie lactée comme on l'avait rarement vue. Donc on avait un ciel stroboscopique des étoiles filantes, on avait tout ça. Et en fait, Quentin réalisait des vidéos, donc il accumulait des milliers d'images en mode automatique, les unes après les autres, pour reproduire ces fameux time-lapse, comme ça qu'on dit. Et puis, sur une des photos prises, enfin, sur beaucoup de photos, il a vu apparaître cette traînée verdâtre ici. Et ces traînées, en fait, ce n'est pas une aurore boréale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ces traînées ont été visibles sur toutes les photos qu'il a prises cette nuit-là. Tous les copains qui ont été cette saison-là à Saint-Véran les ont vus aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle les lueurs de l'air. Donc, c'est vraiment l'air qui, en fait, est stimulé en journée par les rayonnements du soleil. Donc, il y a des molécules qui sont cassées, et puis la nuit, elles se recombinent, etc. Et en se recombinant, pouf, ça émet de la lumière. Il y a un tas de mécanismes différents. Tout ça est vraiment étudié, c'est un phénomène aussi qui n'était pas connu il y a longtemps. Donc, ça apparaît fa facilement en photo. Et puis la question se pose, mais est-ce que c'est visible à l'œil? Alors nous, on n'a pas fait attention, à l'œil nu, on ne les voyait pas. Mais Simon m'a raconté que lors de leur mission à La Palma, aux Canaries, là, il a vu un soir le ciel le plus dément de son existence. Et là, il a vu la lueur de l'air à l'œil nu. Et cette soir-là, il avait un autre phénomène encore plus exotique, je vous montre dans un instant. Donc parmi toutes les photos de Quentin, c'est amusant parce que sur la même photo, il y a plein de météores. Il y a la lueur de l'air, il y a la foudre qui est aussi un météore, puisque c'est un phénomène atmosphérique lumineux. Il y a une étoile filante qui est un météore aussi. Et là, il a été extrêmement surpris, parce que regardez ici, on a un autre météore, un des plus rares, on voit ici. Il y a toute une série de petites lignes. Et là, ça me permet de vous introduire ce phénomène vraiment complètement inédit. Voilà. Qu'on appelle les. Pardon. Qui fait partie d'une gamme qu'on appelle les sylphes, les lutins et les farfadets. Alors officiellement, alors les sylphes c'est quoi? Ce sont des génies de l'air dans je ne sais plus quelle mythologie. Et donc tous ces phénomènes en fait sont des phénomènes qui se passent à très très haute altitude. Là aussi on est aux portes de l'espace, milieu très raréfié, et sont des phénomènes lumineux qui apparaissent au-dessus en fait des orages. Donc en général, quand il y a un orage, les gens s'amusent maintenant à étudier ce qu'il y a au-dessus de la foudre. Et donc, regardez, là, on voit la foudre qui est ici. Et puis, tout en haut, on voit ces fameux sylphes qui sont rougeâtres. Ils ont souvent la forme de méduses, comme ça. C'est très court, hein. Ça peut être quelques millisecondes, peut-être 1 à 2 secondes. Certains racontaient les avoir vus. Donc, on a quelques témoignages depuis la fin du 19e, mais rien de sûr. Mais la vraie observation officielle qui a rendu vraiment officielle l'existence des sylphes et des farfadets, en fait, elle date de 89, donc c'est vraiment ultra récent. Et depuis, ces phénomènes-là sont extrêmement étudiés et on n'y comprend pas grand-chose. Donc on sait que c'est des phénomènes un peu de plasma qui apparaissent au-dessus de la foudre. Et pour vous montrer à quel point c'est étudié et à quel point il y a des nouveautés, regardez, ça c'est une photo vraiment incroyable, c'est une des plus détaillées qu'on puisse voir de ces sylphes ici. Eh bien, ce matin, j'ai découvert un phénomène que je ne connaissais pas, qui a été découvert. C'est un phénomène qui est associé à ces farfadets, etc., à ces sylphes. Il a été découvert il y a 1 an. Au début, les gens ont dit, ouais, mais c'est peut-être un effet, un artefact du traitement d'image. Et non, il y a quelques jours, le phénomène a été observé par d'autres amateurs. Et donc, ça a été vraiment validé. Donc, ce n'est pas un effet, un artefact de photo, ça existe vraiment. C'est ce qu'on appelle le fantôme vert. Donc le Green Ghost, je vous le montre ici en vidéo. Donc j'ai découvert ça ce matin. Alors c'est parti.
Au début, donc voilà. Donc vous avez une nuit très très orageuse. Le gars se concentre sur la partie haute. Donc on voit les espèces de méduses là, les cils qui apparaissent de temps en temps. Et hop, regardez, vous voyez, il y a une trace verte qui est restée là. Ça, c'est le fameux fantôme vert qui vient d'être découvert. Voilà. Et donc tout ça est en train d'être vraiment vraiment étudié de près. Et puis on va terminer par les extraterrestres. Alors là, ce n'est pas à proprement parler des météores parce qu'on n'est plus dans l'atmosphère terrestre, mais c'est des phénomènes lumineux qu'on peut voir au travers de l'atmosphère. Et donc, alors, il y a la lumière zodiacale. Moi, je n'ai pas encore eu la chance de la voir. Bon, ce n'est pas très difficile d'observer si vous êtes dans les bons endroits, mais il faut être au bon moment. Ça, moi, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Alors, cette photo-ci est splendide. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil qui va se lever ici. Et puis, on voit ici cette zone lumineuse en oblique. On se demande qu'est-ce que c'est, tiens, est-ce que c'est une pollution lumineuse quelconque? Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Alors ça, c'est aussi un petit clin d'œil au copain biologiste marin. Vous avez la Voie lactée qui est ici. Vous avez ici la lumière zodiacale, donc cette espèce de luminosité un peu éparse. Et là, vous avez du plancton luminescent. Donc, on joue avec les lumières du ciel et de la mer. Et maintenant, la photo qui vous permet de tout comprendre, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est une photo qui a été prise, Magellan, je pense qu'on est au Canary, si je ne dis pas de bêtises. Et vous voyez qu'en fait, la lumière zodiacale, elle est étendue et elle s'étend sur une espèce d'une ligne comme ça. Alors, pourquoi on l'appelle zodiacale? Mais c'est la ligne, le zodiaque, c'est la zone du ciel où on voit les planètes. Donc vous avez Vénus qui est là, vous avez Mars qui est ici, et vous avez Jupiter. Et donc d'où sort cette lumière zodiacale? Eh bien, en fait, comme vous le savez, les planètes gravitent autour du Soleil dans un même plan. Ça, c'est lié au fait que tout s'est formé dans un même plan. Et donc, dans ce plan, il reste plein de poussière. Et de temps en temps, ben, ça dépend comment on est mis, eh bien, la lumière du Soleil éclaire de la bonne façon toutes ces poussières. Et cette poussière, en fait, renvoie la lumière vers nos yeux et on la voit. Donc, ce qu'on voit là, c'est le plan du système solaire et toute sa poussière. C'est un peu comme quand vous êtes par une journée ensoleillée chez vous et puis à un moment donné, on voit apparaître un rayon de lumière dans votre chambre, et là où la lumière passe, on voit toute cette poussière qui éclaire de la même façon. Là, c'est le même. C'est la poussière du système solaire qui est éclairée de la bonne façon. Et donc, il vous montre le plan du système solaire. Alors, il y a un phénomène encore plus rare que Simon a montré cet été. Mais là, franchement, moi, j'ai l'habitude d'observer des choses dans le ciel. Mais là, il faut vraiment, vraiment, vraiment y croire. Alors, c'est le Gegenschein, donc c'est en gros, c'est le petit frère de la lumière zodiacale. C'est la même chose, c'est juste que le plan du système solaire, ben, c'est un plan, mais qui est dans toutes les directions. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'était dans la direction, en gros, du Soleil. Et là, maintenant, ça va être de l'autre côté. Alors, je vous montre une photo que Simon a faite aux Canaries. Donc, cette fameuse nuit où il a eu la nuit la meilleure de sa vie. Donc, on voit ici la Voie lactée. Et puis là, il y a une lumière éparse. Ça, c'est la lumière, ça, c'est la poussière qui est, en fait, à l'opposé du Soleil, qui est éclairé par le soleil et qui vous renvoie la lumière vers vous. En fait, c'est comme si vous avez des petits grains de poussière qui sont un peu comme la pleine lune, dans la bonne configuration pour vous en renvoyer la lumière. Mais ça, honnêtement, il me l'a montré, mais bon, il fallait le croire pour le voir, quoi. Bon, par contre, si vous êtes dans un ciel type Chili, Velté, voilà, là, vous avez le Gegenschein qui apparaît de façon vraiment plus évidente. Et là, on a vraiment affaire à de la lumière vraiment qui n'est plus dans l'atmosphère, mais qui est au dehors. Et on va terminer en fait par le mythique. Le mythique, c'est quoi? Ben, ce sont les aurores boréales, évidemment. Alors là, ça pourrait être l'objet d'une émission complète, peut-être un jour, quand on vous invitera à notre atelier aurores boréales, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec Jean Lichtenstein, qui est ici, qui est spécialiste des aurores à Grenoble, un des meilleurs spécialistes au monde. Et donc, voilà. Donc, les aurores boréales, en fait, qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont des espèces d'émissions de lumière qui est souvent verdâtre. Si vous êtes dans les régions, on les voit, c'est pas au pôle Nord, pôle qu'on les voit les mieux. Hein. On est dans une zone à haute latitude, mais il y a une espèce d'ovale auroral autour de la Terre, comme ça. Quoi. Les bons endroits, c'est certaines zones de la Finlande, l'Islande, la Norvège, etc. Et donc, là-bas, ils voient ce qu'ils appellent les lueurs du Nord, donc les Northern Lights, comme ils disent.
cette lueur souvent verdâtre comme ceci. À toute période de l'année, pourtant qu'il fasse nuit, il y a une activité comme ça aurorale. Et puis, en général, quand le soleil est très actif et que le soleil a une quinte de tout, là, vous avez des aurores qui peuvent être beaucoup plus marquées et tout le ciel peut s'embraser. Et pourquoi on les appelle en fait des... Alors, l'image ici, c'est une vidéo qui est un peu en accéléré, donc c'est un phénomène dynamique. Hein, donc l'aurore ne reste pas sur place. Donc c'est vraiment lié au fait que vous avez les particules qui sont crachées par le soleil qui arrivent au niveau de l'atmosphère terrestre, qui sont guidées par le champ magnétique terrestre. Donc, il y a tout un champ un peu compliqué, je ne rentre pas dans les détails. Et donc à un moment donné, toutes ces particules d'origine solaire rentrent en collision avec les molécules terre et pas vous avez émission lumineuse. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très étudié pour la science fondamentale, mais aussi pour plein d'applications, parce que quand il y a des aurores, il peut se passer pas mal de choses au niveau de nos technologies d'aujourd'hui. Je peux en dire un mot si vous voulez après. Mais en fait, les gens du Nord ne les appellent pas des aurores. D'où vient le mot aurore? Le mot aurore a été utilisé en fait par Galilée à la base. Les aurores boréales ou aurores polaires, c'est le terme générique. Et puis il y a les aurores en fait boréales dans le Nord et australes dans le Sud. De temps en temps, quand le soleil est très actif, eh bien, l'activité aurorale peut descendre jusqu'à nos latitudes. Et donc, si on voit une aurore boréale de chez nous, ou même de Méditerranée, moi j'ai eu la chance de voir une fois, en 2000, depuis la Belgique, depuis Binche, on voyait en fait sept piliers de lumière rouge comme ça sur un socle bleu-vert. Donc ça ressemble à quelque chose qui... Alors c'était plus impressionnant que ce qu'on voit sur la photo ici, parce que les piliers étaient bien marqués avec un socle bleu-vert. Et clairement, quand on voit cette photo-ci qui a été prise de nos latitudes, on voit que ça ressemble à une aurore. On dirait que le soleil va se lever. D'où le mot d'aurore. Voilà. Par contre, dans les pays du Nord, ça n'a pas du tout cette tête-là. Pourquoi ? Quand vous êtes dans les pays du Nord, vraiment des hautes latitudes sud, en fait, vous êtes pratiquement dedans. Et donc, la zone verte est au-dessus de vos têtes. Donc, il y a le vert qui l'emporte. Par contre, de là où on voit aussi l'émission de lumière qui se trouve à plus haute altitude, qui est rouge. Et donc, c'est que ça qui nous donne l'aspect de l'aurore. Mais ça, on en parlera une autre fois. Pourquoi ? Comme je vous le disais, il y a un monsieur fantastique qu'on adore qui s'appelle Jean Lilienstein, qui a inventé qui est le spécialiste mondial des aurores, qui a inventé une machine qui permet de reproduire dans un bocal des mini-aurores boréales. Il y a une quarantaine aujourd'hui de ces machines-là qu'on appelle des planetarella. Alors, dans notre équipe, Arsozic et Christophe, qui ont reconstruit, grâce au plan de Jean, planétarella qu'on appelle P32, c'est la 32e du genre. Et là, c'est ce qu'on voit dans la planétarella. Donc, c'est une photo qui a été réalisée par Quentin. Et donc, on a des mini-aurores. Et donc, c'est vraiment des ateliers qu'on va vous proposer dans le futur musée bientôt. Ceux qui sont venus à l'une des étoiles, ils ont pu aussi le découvrir. Donc, les aurores, voilà, on en parlera une autre fois. Et voici mon image de fin. Une image vraiment belle. Elle a été prise du côté des Grands Lacs en Amérique du Nord. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le ciel, on retrouve ici la grande ours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez l'espèce de poilon ici. Alors vous savez que quand on prolonge les deux dernières étoiles du poilon, on tombe en fait sur l'étoile polaire. Alors ici, il y a une projection, ça marche un peu moins bien. Enfin voilà. Là, vous avez l'étoile polaire. Donc vous avez pile poil le nord. Donc, le personnage qui est ici, ce qu'il fait, c'est qu'il observe vraiment le nord. Alors c'est une région vraiment avec beaucoup de glace. Et là, on a deux brises glace. Qu'on voit au loin. On a ici ce qu'on appelle l'arche aurorale. Donc c'est vraiment une aurore quasi comme dans les livres, qui a une forme d'arc comme ceci. Alors regardez la photo, elle est géniale. Pourquoi ? Parce que là, vous avez du rouge. Le rouge, ça, c'est de la lueur. Oui, tout à l'heure, on a vu l'argloule, la fameuse lueur de l'air, on l'avait vue en vert. Et là, on la voit en rouge. Donc vous avez la lueur de l'air ici. Donc, c'est un des météores, un deuxième météore. Ici, vous avez la lumière zodiacale qui vous montre le plan du système solaire. Là, vous avez la Voie lactée qui vous montre le plan de notre galaxie. Voilà. Là, vous avez la galaxie Andromède qui est une autre galaxie qui est la plus lointaine visible à l'œil nu. Vous voyez, il y a de quoi voir de belles choses. Et j'arrive là finalement tout doucement à la fin de mon exposé. Alors, comment je vais conclure ? Je vais conclure par un proverbe arabe que j'aime beaucoup. Il dit ceci, il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voie le ciel. Alors, interprétez cette photo, ce proverbe comme vous le voulez. Tout ça pour vous dire que maintenant qu'on a le regard aiguisé, qu'on sait un peu la grande gamme de phénomènes qui peuvent apparaître dans le ciel,
Ben, profitons-en en fait et observons le ciel et essayons d'aller cueillir l'éphémère en fait pour que cet éphémère en fait puisse générer chez nous des souvenirs qui seront peut-être éternels, qui sait. Voilà les amis, je vous souhaite de faire de beaux rêves et de rester curieux. Merci beaucoup. Et tu vois Maxime, je n'ai pas été trop long. Je te laisse la parole. Alors la prochaine fois, c'est Maxime qui cause. Hein. Donc lui, il va causer jeudi. C'est un sujet complètement différent, mais tout aussi passionnant. Et je ne peux que vous conseiller à l'écouter. Il va vous expliquer comment certains ont bidouillé les données de Facebook pour manipuler toute une série d'élections. C'est extraordinaire à suivre. Donc ça, c'est jeudi. Voilà, Maxime, je te laisse la parole. Merci beaucoup. A priori, tout le monde m'entend. J'ai l'impression que toi, t'es en muet, Francesco. Je sais pas si c'est. Non, non, pardon. T'es pas en muet. Autant pour Je ne moi. t'entends pas. Tu ne m'entends Ça pas? y est, ça marche, ça marche. Ça Ok. marche? Oui. Ok. Bah, merci pour cet exposé. Je pense que ça a fait rêver pas mal de gens. Puisque, bah, voilà, beaucoup de gens ont dit dans le chat, waouh, vraiment, vraiment de très belles images que tu nous as proposées là. Alors, il y a eu pas mal de gammes de questions, en fait, il y a eu une grande gamme de questions plutôt, sur ces fameux angles magiques de 42 degrés, de 23 degrés. Est-ce que tu peux expliquer d'où viennent ces angles et comment on peut les démontrer? Pourquoi le rouge, c'est tout, enfin, c'est 42, pourquoi ça change pas, etc. Donc, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? En fait, le principe de base, c'est que quand la lumière, si la lumière se propage dans le vide, ou dans l'air, ou dans le verre, ou dans l'eau, la lumière, sans se poser la question de savoir ce que c'est, peu importe, elle va en ligne droite. Ça, c'est un truc qu'on peut observer facilement. Si maintenant, sur son chemin, vous lui mettez un milieu différent, une substance différente, transparente, évidemment, vous avez de la lumière qui est dans l'air, et puis subitement, le gaz change, ou bien vous avez de la glace, une vitre, ou que sais-je. Et bien à ce moment-là, en fait, la lumière change de direction dès qu'elle rentre. Et en fait, le changement de direction, il dépend de la couleur. Ça, c'est une des grandes découvertes de Newton, notamment. Et donc, en fait, et on peut exactement vous dire, ben voilà, si c'est telle couleur qui passe de l'air dans l'eau avec tel angle d'arrivée, eh bien, on sait que la lumière va être déviée de telle façon. Le bleu va être dévié de telle façon. Et donc, quand vous regardez la façon dont le rouge est dévié quand il rentre dans une goutte d'eau, il rentre dans une goutte d'eau, il y a une première déviation. Alors, dans la goutte d'eau, il n'y a plus de déviation parce qu'on a de l'eau, donc il n'y a plus de champ de milieu. La lumière continue jusqu'au bout de la goutte. Il y a une partie qui ressort, on s'en fiche un peu. Mais là, il y a une réflexion. La lumière rebondit comme sur un miroir. Et puis, elle va pour sortir. Mais quand elle sort, qu'est-ce qui se passe? Elle passe de l'eau à l'air. Elle change de milieu. Et donc, paf, elle rechange de direction. Donc, dès que vous avez un changement de direction, eh bien, on peut le calculer facilement. C'est une vieille loi qui est connue depuis l'époque de Descartes. Et cette déviation dépend des matériaux en présence et des angles qui sont là. Et quand vous faites le calcul, c'est pas très compliqué à faire, enfin, juste un peu de physique de base. Et bien, on se rend compte que quand vous avez des gouttes d'eau dans l'air, et bien l'angle magique pour le rouge c'est 42, pour le bleu c'est 40, et ainsi de suite. Et donc, ça dépend vraiment de ce milieu qui est le milieu de l'eau. Pour le cas de la glace, ben là, le milieu, c'est on passe de l'air. Non pas de l'eau liquide, mais à de l'eau solide. Et donc, c'est d'autres angles. Et donc, c'est un autre angle magique qui est là. Donc, on se rend compte que ce n'est pas que tous les faisceaux sortent au niveau de l'angle magique, c'est qu'il y a une accumulation de faisceaux dans cette direction-là, en fait. Et c'est ça qui est à l'origine de l'angle magique. Merci. Tu peux peut-être revenir aussi, tant qu'on y est, sur la notion de spectre, puisque une personne disait, ben voilà, vous parlez du rouge et du bleu, mais où sont les autres couleurs? Et au niveau du bleu, je pense que c'est la même personne, sans être sûre, elle se demandait, ben pourquoi l'angle est-il plus petit pour le bleu, en fait? Alors, je vais reprendre la photo de Simon où on voit le soleil, le spectre, un zoom sur l'arc-en-ciel ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit toujours mon écran? On voit toujours ton écran, je confirme. Ok, voilà. Donc là, c'est un zoom sur l'arc-en-ciel. Et en fait, on voit ce qu'on appelle techniquement le spectre du soleil. Enfin, le spectre, oui et non. En fait, on voit toute la gamme de couleurs qui existent dans l'arc-en-ciel. Et donc, on voit qu'il y a un continuum qui va du rouge jusqu'au violet. Ça, c'est la gamme de couleurs à laquelle notre œil est sensible. Maintenant, on a découvert par le passé que, ici, en fait, il y a d'autres couleurs que l'œil ne voit pas. Il y a des couleurs qui sont plus rouges que le rouge, qu'on appelle l'infrarouge, et d'autres qui sont plus violettes que le violet, qu'on appelle l'ultraviolet. Or, l'infrarouge, par exemple, on ne la voit pas, mais
quand vous êtes devant un feu, vous sentez. C'est une des raisons pour laquelle on sent cette impression de chaleur. C'est l'infrarouge qui fait ça. Et l'ultraviolet, on ne le voit pas, mais votre peau réagit, ce qui vous permet de bronzer. Donc, mais il y a beaucoup d'énergie, il faut faire attention. Alors voilà, maintenant, pourquoi le rouge est moins vivant que le bleu? Ça, c'est un fait. Il se fait que on voit qu'il y a différentes couleurs qui existent, on voit qu'il y a un angle de déviation qui correspond à chaque couleur, et il se fait que celle qui est déviée à 42, enfin voilà, c'est celle qu'on appelle rouge, et l'autre on l'appelle bleu, ça aurait pu être l'inverse. Mais donc le rouge a un angle de déviation qui est défini, et le bleu aussi. Et c'est Newton qui s'est rendu compte qu'on pouvait associer une déviation, en fait, une réfraction à une couleur. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les couleurs, ce n'était pas qu'une sensation visuelle, il y avait quelque chose de physique là derrière. Voilà. Et donc on a tout. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut se dire, tiens, là-dedans, est-ce qu'on a du brun, par exemple? Est-ce qu'on a du fuchsia? En fait, non. Le brun, le fuchsia n'existe pas dans l'arc-en-ciel. Ça, c'est un mélange de certaines couleurs et c'est votre œil qui donne l'impression que ce truc-là existe. Mais dans l'arc-en-ciel, vous pouvez chercher, vous ne le verrez pas. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les couleurs que nous envoie le soleil, une partie de ce qu'on voit. Et alors, notre œil, il est centré sur le vert. Le soleil émet beaucoup plus de vert, et donc notre œil est beaucoup plus sensible dans le vert. Et le vert est au milieu de toutes les couleurs. Il est entre le rouge et le mauve qui est ici. Par contre, il y a des animaux qui distinguent d'autres couleurs que nous, on ne voit pas. Il y a des animaux qui ont des yeux beaucoup plus performants que les nôtres. Ça, Guillaume pourra vous en parler un autre soir. Et justement, par rapport à cette perception relative des couleurs, est-ce qu'on voit tous les mêmes couleurs? Je me souviens de cette... Alors ça, c'est la bonne question. Moi, ça me perturbait quand j'étais petit. Et donc, je me suis dit, bon, c'est des idées un peu débiles que les enfants ont. Et puis, je suis tombé sur un bouquin récent mais qui disait, ben non, c'est tout à fait possible. On n'en sait rien, évidemment. Comment savoir si la perception visuelle de ce que j'appelle moi le rouge est la même chez toi? Ça tombe, ce que moi j'appelle le rouge chez toi, ça peut être une tête complètement différente, on n'en sait rien. C'est juste qu'à cet endroit-là, moi j'ai quelque chose et on m'a toujours appris que là, ce que je vois là, c'est le rouge et toi aussi. Mais peut-être qu'on voit des choses différentes, mais ça, on ne peut pas le savoir. Simplement, au niveau de la physique, on s'entend pour dire ben, tel angle va correspondre à telle couleur et donc on va mettre le même nom sur la même déviation, etc. Donc on peut quantifier la chose, mais la sensation physique, j'en sais rien en fait. Après, même d'un œil à l'autre, il y a des choses qui changent. Hein. On a par exemple au Cœur d'Astro un petit télescope solaire qui observe dans le proche ultraviolet. Alors, quand on observe le Soleil là-dedans, en fait, on est. Alors, nous, l'œil humain, peut en moyenne voir jusque, voilà, ce qu'on appelle une longueur d'onde de 400 nanomètres. Je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est une moyenne en fait. Quand on observe notre petit télescope, on est à 380 de mémoire. Moi, quand je mets mon œil, je ne vois rien dans ce télescope-là. C'est un télescope qui sert beaucoup en imagerie. Donc, en imagerie, avec un appareil photo, on voit des choses. Moi, je vois rien. Joël, il met son œil. Lui, il voit le soleil très, très mauve, en fait. Mais donc, c'est-à-dire que d'un œil à l'autre, il y a des sensibilités qui peuvent varier. Merci. Alors, je sais pas si je vais bien formuler la question, je la comprends, mais en même temps, enfin, on va voir. Donc, est-ce que en ayant l'information de l'observateur, enfin, de l'arc-en-ciel qu'il voit, est-ce qu'il y a moyen, entre guillemets, de géolocaliser l'arc-en-ciel, c'est-à-dire de déterminer sur quelle goutte il se trouve dans le nuage de gouttes, entre guillemets? Voilà, mais ça c'est la super question. En fait, tout à l'heure, j'avais commencé à l'aborder et puis je suis parti sur autre chose. C'est ça qui est magique. Que votre arc-en-ciel il soit produit par un rideau de pluie qui a lieu à 5 km de vous, ou bien qu'il soit généré par un rideau de pluie que vous avez créé parce que vous avez une bande, vous êtes une partie d'une bande de guignols qui s'amuse à créer des arc-en-ciel la nuit avec des tuyaux d'arrosage. En fait, quand nous on a créé l'arc-en-ciel nocturne, l'arc-en-ciel, il était ce qu'on voyait dans le ciel, était aussi grand que le vrai arc-en-ciel. Il est impossible de dire où il se trouve. Or qu'en fait, là, il était vraiment physiquement les gouttes d'eau. On était dans le rideau d'eau. Mais ce qui se passe, c'est quand on voit l'arc-en-ciel, c'est moi quand j'ai dessiné tantôt la petite vidéo avec la maquette, là, avec le petit machin qu'on a fait tourner. Ouais, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai plus ici, évidemment. Peu importe. Je l'ai dessiné en 2D, mais en réalité, les gouttes, elles sont sur un cône. Donc, il y a des gouttes qui sont devant, et puis des derrière, et puis encore derrière. Simplement, c'est sur un cône qui a une ouverture de 42 degrés par rapport au milieu. Donc, c'est un cône général de 84 degrés. Et il est impossible de savoir si la lumière qui vous envoie ces couleurs, elles sont juste devant vous ou juste loin. Et ça, c'est extraordinaire. Mais l'angle ne change jamais. Donc, l'angle qu'il occupe dans votre champ de vision,
c'est toujours énorme et ce sera toujours impossible à photographier avec votre smartphone parce que le champ de vision n'est pas assez grand. Ça, c'est magique, l'arc-en-ciel. Oui, à ce propos, juste, c'est vrai qu'on comprend tout de l'arc-en-ciel ou presque, mais c'est presque. Parce que tout ce que je vais vous expliquer, c'est on tient compte en fait d'un arc-en-ciel provoqué par des gouttes qui sont rondes. Et quand il pleut, quelle est la forme des gouttes d'eau de pluie en fait? Alors si je vous demande si je vous pose la question, vous allez certainement dessiner une goutte qui a une forme allongée, style un peu spermatozoïde, comme ça. Mais ça, c'est une goutte qui percole sur une vitre. Donc on a tous cette image de la goutte vraiment très pointue au-dessus et puis qui s'élargit en bas. Ça, c'est la goutte qui percole sur le verre. Mais en vrai, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, la goutte qui tombe, en fait, elle est aplatie à cause de la résistance de l'air. Donc la goutte, en fait, elle s'aplatit très fortement. Donc la goutte, elle n'est pas du tout ronde. A priori, elle devrait être plutôt comme ça. Et donc la physique de la goutte, elle est encore plus tordue que ce qu'on pense. Donc vous voyez, on est vraiment dans la notion de modèle. On a approché la goutte par un modèle de goutte ronde. Et on a vu qu'on a pas mal de bons résultats. En réalité, il n'y a jamais deux arcs-en-ciel qui vont être rigoureusement les mêmes. Il y aura des petites subtilités sur la taille de la goutte, etc. L'arc-en-ciel est absolument génial. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'explication des doubles arcs-en-ciel Oui. au En fait, niveau l'arc-en-ciel habituel, le primaire, il est dû à quoi? Il est dû au fait que vous avez la lumière qui rentre dans. Je vais essayer de vous trouver un petit schéma. Voilà, je prends par exemple ceci. Voilà, je le mets là. Voilà, donc vous avez la goutte d'eau, la lumière rentre ici, elle est divine. Je prends le faisceau, ouais, je prends le faisceau numéro 3 ici. Le faisceau rentre dans la goutte, il va être divine une première fois, il va se réfléchir sur la paroi arrière de la goutte, donc il y a une réflexion comme un miroir, la lumière revient, et puis elle est à nouveau déviée, elle ressort ici. Donc, l'arc-en-ciel classique, il y a une réflexion à l'intérieur. Si maintenant, je peux aussi avoir des réflexions en plus, si vous avez un faisceau lumineux qui vient ici, comme ça, on peut avoir une déviation, une réflexion là, une autre un peu plus haute ici, et puis le faisceau qui ressort. Donc, on peut avoir une deuxième réflexion à l'intérieur de la goutte. Quand on montre l'atelier à nos visiteurs, on fait vraiment l'expérience. En fait, on a plein d'expériences qui permettent d'illustrer ce que je raconte. Et là, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc, ça crée un deuxième angle magique, avec donc une deuxième ouverture, un deuxième arc. Et comme il y a une réflexion supplémentaire, il y a une inversion supplémentaire des couleurs qui inverse les couleurs. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'on pourrait avoir une troisième réflexion, avec un troisième arc? Et c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, ben, peut-être que le troisième arc, en fait, il est peut-être là, mais on ne le voit pas parce qu'il est trop faible. Et en fait, les physiciens ont étudié toutes les réflexions supplémentaires possibles, et ils sont allés jusqu'à prouver physiquement, en étudiant une goutte et en envoyant un laser dedans, qu'on peut aller jusqu'à des réflexions des chemins de la lumière, où il y a jusqu'à 14 réflexions intérieures. Mais seulement quand on arrive en fait dans les réflexions numéro 3, numéro 4, on ne peut plus rien voir parce que l'arc, en fait, il n'apparaît plus derrière à l'opposé du soleil, mais dans l'interaction du soleil. Donc là, on est complètement ébloui. Et comme en plus ces réflexions sont très faibles, on ne voit plus grand-chose. Mais donc voilà, ça dépend du nombre de réflexions qui se produisent au niveau de l'intérieur de la goutte. Est-ce que tu peux nous parler des arcs de lune? Oui, ben en fait, c'est la même chose. Hein. Ben par exemple, l'arc que je vous ai montré au début, celui-ci, voilà. En réalité, regardez la photo. On voit une constellation dans le ciel, on voit Orion qui est ici. Et si on voit Orion, probablement que le soleil était couché. Alors, et quand on voit, en tout cas, si on voit Orion, il va faire nuit. L'arc-en-ciel, ben, il est quand même bas, donc la source lumineuse va être assez haute. Donc c'est difficile d'imaginer de voir les étoiles avec un soleil haut dans le ciel. Donc c'est que cette photo elle a été prise de nuit et c'est la lune qui a dégénéré ça. Maintenant, si vous observez la lumière lunaire et qu'il pleut, bah oui, la physique c'est la même. Vous allez voir un arc dans le ciel de nuit. Il y aura une différence quand même, c'est que tout ça va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne. Et donc il y aura un arc, mais vos yeux ne vont pas capter assez de lumière pour voir les couleurs. Donc vous verrez un arc, mais qui sera a priori blanchâtre. Vous verrez en noir. La nuit, en fait, on voit en noir et blanc. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Alors pourquoi ici, on voit les couleurs? Ben, tout simplement parce qu'il y a un appareil photo qui a accumulé suffisamment de lumière et l'appareil photo, il a réussi à détecter les couleurs.
À l'œil nu, probablement que si vous étiez là, on voyait l'arc généré par le soleil, non pas la lune. C'est la même physique. Vous devez avoir la lune derrière vous et le rideau d'eau en face. Mais simplement, l'œil ne sait plus distinguer les couleurs dans ce cas-là. Peut-être à ne pas confondre aussi avec le halo lunaire qui est cette Alors, le halo espèce lunaire, il de... est autour de la lune, comme le halo solaire est autour du soleil, tandis qu'ici, on est à l'opposé du soleil. Donc, si par exemple, vous êtes dans un parc où il y a une belle fontaine, vous pouvez tout à fait savoir où va se produire l'arc-en-ciel. Ou si vous êtes sur la place de Mons, la fameuse fontaine qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'eau, comme vous voulez. Eh bien, arrangez-vous pour avoir le soleil derrière vous et les jets d'eau en face de vous. Et là, vous allez voir l'arc-en-ciel. Donc, il faut toujours il faut que le rideau d'eau et le soleil soient opposés par rapport à vous. Et là, la magie va s'opérer à chaque fois. Est-ce qu'on peut formuler un lien entre tous ces angles, entre guillemets, magiques et l'inclinaison de la Terre, en fait? Non, il n'y a aucun lien. C'est vrai qu'on pourrait penser que la Terre est ronde et que donc l'arc-en-ciel est rond. Non, ça n'a rien à voir. La Terre aurait pu être plate, elle ne l'est pas. Je vous dis tout de suite pour les copains, n'est-ce pas? Dans la Terre, elle est rien à voir. Je veux dire, vous pouvez fabriquer votre arc-en-ciel miniature dans une pièce fermée, même à petite échelle ou à grande échelle. C'est vraiment cette géométrie particulière et cet angle magique qui fait que quand on a 10 millions de gouttes devant nous, ben, toutes les gouttes renvoient le rouge avec l'angle magique, mais il n'y en a que quelques-unes qui envoient la lumière dans nos yeux. Et quand on regarde toutes ces conditions ensemble, ben, elles se placent toutes sur un arc. Donc l'arc traduit en fait ce qui se passe au niveau microscopique pour chaque goutte, et non pas ce qui se passe en fait au niveau de la forme de la Terre en général. Donc il n'y a aucun lien. Est-ce que les sun dogs, donc les chiens de soleil, sont visibles partout, ou il y a vraiment que des régions où on peut les En voir? fait, pour les voir, il faut qu'on ait le soleil très bas sur l'horizon. C'est logique, hein. Imaginez que ceci, c'est le cristal galette. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le cas du Sundog, vous avez du chien du soleil, vous avez la lumière qui doit rentrer dans le cristal et en sortir. Le cristal, il est plat. Donc, comme la lumière rentre dedans et sort en face, il faut qu'il soit quand même assez bas pour que la lumière qui sort tape dans votre œil. Alors, évidemment, le cristal, il tombe à l'horizontale, mais il peut être un petit peu incliné. Mais si le cristal est très très haut, la lumière qui sort du cristal galette va passer au-dessus de votre tête. Donc il faut quand même qu'il soit plus ou moins à votre hauteur, un peu plus haut éventuellement, pour que la lumière sorte et tape dans vos yeux. Donc si vous avez un soleil qui est bas, alors vous pourrez voir les sundogs et les chiens du soleil. Si le soleil est haut, vous ne le verrez pas. Donc en général, quand vous avez des cirrus, en journée, vous ne verrez pas le phénomène. Vous verrez peut-être des halos en journée. Mais attendez le soir ou le petit matin. Alors il y a des périodes où tous les jours, pendant une semaine, vous les voyez, hein, et chaque fois ça se reproduit parce que vous avez la bonne densité de nuages et le soleil au bon endroit, et paf, ça reproduit comme une petite machine. Et n'oubliez jamais, on les voit, mais regardez plus haut, on peut avoir l'arc cyclozénital, le halo, etc. Alors on va passer au niveau des nuages noctulescents. Est-ce que tu peux revenir sur l'altitude des nuages noctulescents? Et... Oui, 85 km pour les plus hauts. Donc on est Ouais, presque aux portes de l'espace, ouais. donc on est vraiment très très haut. L'atmosphère est extrêmement ténue, Oui, c'est j'imagine. ça, exactement. Et donc tous ces genres de phénomènes. En fait, c'est l'altitude quasiment. Je pense que c'est quasiment l'altitude où on voit apparaître aussi les farfadets, les sprites, etc. Et donc c'est des choses qui sont aussi étudiées par le haut, par la station spatiale, qui elle est à 400 km de hauteur. Et justement, est-ce que le fait que on est à la limite de l'espace, ça peut jouer dans le phénomène, à ton avis, ou est-ce que... Non, parce qu'enfin, alors, en tout cas, si je reviens au nuage noctulescent, nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est la réflexion de la lumière du soleil sur ces nuages et la lumière revient vers nous comme une espèce de miroir. En fait, il n'y a qu'eux qui sont éclairés. Il y a plein de cristaux de glace dedans et donc ça nous renvoie cette lumière. Mais donc, c'est la lumière qui vient du bas. Alors, est-ce qu'il y a une influence de l'extérieur? Il y a probablement un tas de phénomènes. Il y a même des gens qui pensent que les rayons cosmiques ont une influence, que les rayons ultraviolets ont une influence. C'est quelque chose de très, 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 très mal connu. C'est vraiment un sujet de recherche. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on en voit de plus en plus. Oui, justement, pourquoi on n'en voit qu'en été? Alors, c'est parce qu'il faut cet angle particulier. Il faut que le soleil soit. Il faut que nous, on arrive à être plus ou moins dans le noir et qu'il y a ce bon angle pour que les nuages, qui eux sont très hauts, arrivent encore à être éclairés.                                                                           ││     ││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 
Et donc, on a ces conditions-là qui se produisent en fait là aux alentours du solstice parce que le soleil tombe et puis il reste en fait, il descend pas très profondément, la trajectoire sous l'horizon est assez plate comme ça, donc les conditions d'éclairage sont bonnes, c'est vraiment ces conditions-là. Par contre, à mon avis, on les aura jamais si on était beaucoup plus bas en latitude. Ok. Donc, je vais quand même poser la question, même si j'ai un petit parti pris dessus, mais c'est rien. Est-ce que le fait qu'il y ait une recrudescence des nuages noctulescents peut être lié à une concentration de la pollution des chemtrails? Ben non, parce que je veux dire, les chemtrails 1, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait rien du tout parce que ça n'existe pas. Donc l'idée c'est que quand vous observez les avions, on voit souvent à l'arrière des traînées de condensation. Alors quand je dis que ça n'existe pas, c'est que les traînées de condensation évidemment on les voit, comme son nom l'indique, c'est de la condensation, donc c'est l'air chaud qui sort des tuyères qui est chargé en humidité. Cet air chaud entre en contact violemment avec l'air froid à de haute altitude. L'air froid, évidemment, l'air chaud qui sort des tuyères se refroidit. Donc, du coup, il y a trop d'humidité dans cet air. Et donc, la vapeur d'eau se condense et donne naissance à ces fins nuages, à ces cristaux qui naissent sur son nuage. Ça, c'est un phénomène complètement naturel. En fait, quand je dis ce qu'on appelle les chemtrails, c'est des gens qui ont une théorie qui disent que ces traînées sont en fait artificielles et que. On nous empoisonne volontairement, enfin, voilà, ça fait partie des théories complotistes complètement débiles. Donc, alors, maintenant, par rapport aux réelles condensations de nuages, régulièrement, moi je ne sais pas si il faut demander aux météorologues comme Fabien Debal, parce que les nuages, c'est des choses qui sont très subtiles et on ne connaît pas encore grand-chose. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur la genèse du nuage. Par exemple, le nuage, il a besoin de petits grains de poussière, de petits noyaux pour se condenser dessus. Et il y a plein de mécanismes qui ne sont pas du tout bien connus. Et donc, certains racontent que, par exemple, oui, il y a un effet entre la circulation des avions et certains effets thermiques au sol, etc. Mais voilà, j'ai déjà lu tout et son contraire. Donc, il y a certainement des effets sur le climat, mais j'en sais rien. Je ne sais pas vous dire si c'est beaucoup, pas beaucoup. Ça, il faudrait voir avec un météorologue. Mais enfin, si on parle de chemtrails au sens complotiste, laissons tomber, quoi. La personne reprécise la question, c'est est-ce que, même si on ne parle pas de chemtrail, est-ce que avant l'aviation, on a des traces de nuages noctulescents qui ont été identifiés, par exemple? Alors, il semble qu'on a des traces on parle de ces trucs-là depuis fin 19e, mais vraiment de façon très très rare. Ça n'avait jamais été étudié en tout cas. Et ici, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on en parle. On sait qu'à un moment donné, il y a eu un lancement de je ne sais plus quelle navette et il y a eu une rentrée atmosphérique. On a vu que ça générait ce type de nuage. Donc, on sait qu'il y a un lien avec les polluants. Maintenant, la circulation atmosphérique, la circulation des avions, je ne sais pas s'il y a une énorme évolution entre ce qui s'est passé. Les avions, ils volent pas aussi haut. Donc il y a aussi un problème, c'est par quel mécanisme, imaginons qu'il y ait des polluants, des aérosols qui arrivent aussi haut, par quel mécanisme ils y arrivent. Donc tout ça, c'est vraiment étudié, c'est important. Mais donc voilà, je ne sais pas s'il y a 15 ans, c'était très différent de ce qu'il y a maintenant. Mais encore une fois, je ne vais pas me lancer dans des explications sophistiquées parce que je ne les connais pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc je ne sais pas, il faudrait demander vraiment un spécialiste de tout ça. 85 km. Je pense que les avions, à mon avis, ils volent de mémoire, je dirais quoi, 10 000 mètres, les avions classiques. Là, on est à 85 000, quoi, donc c'est autre chose, hein. Donc, maintenant, on peut imaginer des mécanismes, hein. Mais encore une fois, on ne connaît pas grand-chose. Si on passe à l'air glow, est-ce que la formation de l'air glow, c'est lié justement à de l'air ionisé ou est-ce que c'est complètement un autre mécanisme qui intervient dans cette apparition de couleur verte? De ce que j'ai lu, on peut avoir plein de mécanismes qui interviennent, une variété. On pourrait par exemple avoir de l'azote qui se mélange avec de l'oxygène, au moment où ça se recombine. Donc ça a été par exemple ionisé en journée parce qu'il y a de l'ultraviolet, puis la nuit ça se recombine et pour ça vous avez une émission de lumière. Mais là aussi, c'est des trucs qui sont en cours d'étude. Hein. Par exemple, lors de notre dernière mission à Saint-Véran, ben, nous on y va en tant qu'amateurs, mais il y avait le fameux Jean Lilienstein à qui on avait montré la photo de Quentin que je vous ai montré. Et lui, quand il a vu cette photo, il a dit, mais il y a des structures là, il y a des choses à faire. Et donc il confirmait que ce n'est pas quelque chose qui est très, très, très étudié. Et donc, il a envoyé son thésard pour essayer de bosser dessus.
Donc voilà, je ne connais pas bien ces mécanismes-là. Mais encore une fois, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Bah, il y a encore des choses à découvrir, je pense que Mais c'est évidemment, important c'est ça qui est aussi chouette. à comprendre. On ne parle pas souvent d'aurore australe. Est-ce qu'il y a Oui. une raison particulière à ça? Est-ce qu'elles apparaissent moins? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a moins de monde dans cette zone-là, donc on les Oui, bah, c'est observe moins? simplement ça. En fait, je pense que les premiers à avoir noté, etc., ben, c'était les gens du Nord, donc on les appelait les aurores boréales. Et puis après, y a eu des missions dans le grand sud, je dirais, et on a vu qu'il y avait des symétriques, et c'est exactement symétrique. Donc oui, il y a des aurores australes, évidemment. D'ailleurs, le terme exact, c'est aurore polaire. Alors, est-ce que on a déjà observé des météores, enfin, ce que je vais qualifier d'extraterrestres, donc c'est-à-dire sur d'autres planètes ou sur d'autres lunes dans le système solaire? Je pense par exemple à des aurores boréales, mais peut-être aussi est-ce que on aurait par exemple observé des arcs-en-ciel sur Mars par exemple, etc. Alors ça, c'est une chouette question. Aurore boréale, oui, très clairement. Jupiter, Saturne, Mars aussi. De la foudre de façon indirecte. Donc sur Jupiter, on détecte vraiment, les sondes ont détecté, on en a parlé lors de la conférence, à distance, une activité électrique qui montre qu'il y a de la foudre. Sur Vénus, on s'y attend, dans cet temps-ci, est-ce qu'il y a beaucoup de foudre? On a aussi vu trouver des météorites au sol sur Mars, ce qui veut dire que la météorite a dû rentrer dans l'atmosphère et que donc elle a dû certainement créer une étoile filante. Mais l'étoile filante, j'ai un doute, mais je pense pas qu'on en ait vu. Mais j'ai un souvenir quand même de quelque chose, mais j'irai pas plus loin. Par contre, on n'a pas encore vu d'arc-en-ciel sur Mars, quand il faudrait des gouttes d'eau. Ça n'en est pas. Par contre, une question que je me suis posée, c'est sur Titan. Là, il y a des pluies, c'est des pluies de méthane, d'éthane. Il fait très sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais je serais vraiment curieux de savoir, il faudrait étudier la géométrie des gouttes de méthane, voir les angles magiques. Alors, il y a sûrement intérêt d'imaginer ça quelque part, qu'à étudier ça dans le monde. Et oui, ça pourrait être sympa, ça. Ou bien probablement que des halos dans l'atmosphère martienne, c'est possible, parce qu'il peut aussi y avoir des nuages, des cirrus, des choses comme ça. Après, il faudrait voir si on a les mêmes types de cristaux. Bonne question. Bonne Préciser ton question. propos quand tu dis il peut y avoir des nuages sur Mars alors que tu as l'air de dire qu'il n'y a pas de précipitation, tu saurais revenir là-dessus? Ouais, parce que des nuages, ça peut être des nuages. Si vous prenez les cirrus, les fameux cheveux d'ange, qui sont l'origine des chiens du soleil, des halos, etc., dedans, c'est surtout des cristaux de glace, ce n'est pas des gouttes d'eau qui sont là. Par contre, les nuages classiques, ceux de plus basse altitude, bah, si on prend les nuages de pluie, ben, par définition, les nuages, c'est vraiment de l'eau liquide, c'est vraiment des gouttelettes d'eau liquide. Donc sur Terre, on a des deux. Donc sur Mars, le liquide n'est pas possible actuellement. Donc il y a de la vapeur d'eau, il y a un cycle de l'eau, mais qui est différent. Donc là, on passe directement de la glace à la vapeur d'eau sans jamais passer par l'eau liquide. Donc on pourrait avoir des nuages, On pourra des avoir des halos. précipitations, de la glace, tout ce qu'on veut, mais des cristaux aussi, mais de la pluie, ça, c'est pas possible pour l'instant. Mais par le passé, c'était possible. Merci. Alors, dernière question, c'est la plus technique, c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Si on ralentit à la femtoseconde, est-ce que l'image de l'arc-en-ciel va clignoter comme celle du soleil? Mais pourquoi l'image du soleil clignoterait? Je ne sais pas. Il n'y a pas de Et je ne sais pas raison. si la personne est encore en ligne. Elle avait l'air de dire que si on prenait une image par femtoseconde, le soleil avait des maxima et des minima au terme de ça, en termes d'intensité de luminosité. Maintenant, je suppose que le Soleil, c'est une gigantesque marmite, donc il y a une intensité moyenne. Après, je suppose qu'il y a des petites fluctuations, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu aucun dispositif technique qui permet d'étudier en temps réel la fluctuation. Et donc, partant de là, en supposant que le flux qui arrive est continu, et donc de là, aller voir un effet stroboscopique sur les gouttes, j'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ok. En tout cas, même s'il y a une fluctuation, ça ne peut pas être un truc qui s'éteint, qui s'allume. J'imagine mal le soleil qui est en mode alternatif et qui s'allume et qui s'éteint. Je peux imaginer qu'il y a peut-être une variation, un petit bruit autour de son intensité moyenne,
Mais de là à envoyer des flashs stroboscopiques, Ouais. ça non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok. C'est un corps chaud. Et Ouais, donc, mais. tout corps chaud va émettre en continu tout un spectre lumineux avec une distribution. La distribution qu'on a dans l'arc-en-ciel, ben, est liée vraiment à la température du soleil, hein, avec le accès de verre et patipatata. Mais voilà, c'est un machin qui est chaud, donc il émet en continu. Il n'y a pas de raison d'avoir des. Il n'y a pas de mécanisme qui expliquerait en tout cas des trucs quantifiés dans l'émission. Nickel. Eh bien donc, enfin moi en tout cas j'ai fait le tour des questions et au niveau du chat ça n'a pas l'air de plus réagir donc je pense qu'on peut arrêter là. En tout cas merci beaucoup pour nous avoir partagé toutes ces belles images parce que bah, en ces moments un petit peu particuliers ça fait aussi je pense du bien au moral. Clair, c'est clair. Et donc comme l'a dit Francesco, jeudi ce Pour une fois, sera... il connaît la conférence qui va Pour arriver. une fois, je connais la conférence. Enfin, je la connais, c'est pas encore gagné, mais. Donc, jeudi, a priori, donc, ce sera moi qui interviendrai et je parlerai des réseaux sociaux, de la démocratie et un petit peu de tous ces mécanismes de rétroaction qu'on peut avoir entre les réseaux sociaux et une élection démocratique. Donc, ça promet Passionnant. d'être intéressant. Je vous invite donc à nous rejoindre ce jeudi. Et sinon, ben, je vous souhaite de faire de très beaux rêves. Comme dirait Francesco, je te pique ta phrase. Et bonne Dit. soirée à tous. Salut, ciao. Voilà, on est hors ligne.